Je sais pas pourquoi je chuchote. Je sais pas, je me dis ça fait un peu stream d'horreur alors que pas du tout! Il n'y a pas de musique parce que j'ai pas osé relancer l'appli des musiques parce que hier elle plantait. Du coup, si vous voulez, je peux vous faire une petite musique. Genre. Tout, 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 tout! Tout, 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 tout! Tout, 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 j'ai plus de voix. Vous avez reconnu? Avez-vous reconnu? Vous avez une minute pour trouver avant que j'arrive. Sinon, je vous bannis! Oui, en fait, je le ferai pas. Mais je le dis quand même au cas où, tu sais, pour faire peur. Ça va? J'ai la voix cassée, je suis désolée pour ce stream qui risque d'être du coup assez faux en termes de sonorité. Mais faudra faire avec. Vous allez bien? Je suis fatiguée, mes enfants. Oh là là. Ça fait 4 jours, j'ai la tête dans le cucu et le cucu vraiment loin de ma tête, quoi. Je suis explosée. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je dors pas beaucoup, mais. J'ai beaucoup de lettres. Tu vas voir, Didou, je vais vous montrer. Normalement, aujourd'hui, on peut tout boucler. On peut faire tout ce qu'on a reçu cette semaine, on peut l'ouvrir. Je pense. Mais je dors, mais. En fait, j'ai eu une nuit affreuse de jeudi. Non, de mercredi à jeudi. Jeudi, je me suis couché tard. Vendredi, je me suis couché tard. Et samedi, je me suis couché tard. Donc, du coup, j'ai pas vraiment rattrapé quoi. Ce qui ferait de la place dans les placards. Non, mais ce placard-là, c'est le placard stand-by, Princessa, toi-même, tu sais. Ah, oh, ta vie douce, mais oui. J'ai pas réussi à dormir, Ludo. Comment va ton petit bout? Je suis pas malade, genre, mais en fait je suis fatiguée juste parce que j'ai très mal dormi il y a quelques nuits et j'ai la voix cassée parce que j'ai trop parlé. C'est un concours de circonstances. Mais j'ai tourné ce matin d'ailleurs la vidéo de Hildegarde de demain, pardon, de Hildegarde, et j'ai ma voix qui s'est barrée à ce moment-là. J'aime pas la tisane. Alors Courtney, regarde, les infos pour m'envoyer une lettre. Je montre la première de la pile, c'est ça. Si vous voulez m'envoyer quelque chose et que ça ouvre et que je l'ouvre en stream, ou pas d'ailleurs, hein, c'est juste ça, l'adresse. Vous écrivez ça sur l'adresse, vous mettez un timbre et ça m'arrive. Magie, magie. Et vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, bien sûr. Alors, par exemple, là, typiquement, cette semaine, j'ai reçu un petit colis que là, je ne vous montrerai pas puisque la Miss m'a demandé, c'était un bouquin, et elle m'a demandé dans sa lettre de tout simplement pas montrer son courrier en stream. Donc du coup, je veux pas trop pas. Vous pouvez très bien m'envoyer une petite lettre privée que vous voulez pas montrer aux autres, que vous voulez juste me parler à moi, c'est tout à fait possible. Hein. No soucis. Et après, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, des dessins, des petites créations à vous, des quiz pour les gens, pour faire vivre le chat, des partages de ce que vous aimez, tout simplement, lâchez-vous. Hein. Alors de toute façon, si jamais je vais l'appeler Cort. Si jamais vous voulez revoir l'adresse, faut pas hésiter sur la description de mes chaînes YouTube, de mes vidéos de chaîne YouTube. Ah mais Gigi, je lirai pas tout, hein. Si tu m'as refait un courrier roman, d'ailleurs je suis extrêmement impressionnée par vous, parce que les courriers qu'on a cette semaine, j'ai eu trop peur. Merci Kate pour ton sub. Bonjour tout le monde, je peux pas rester, mais je vous fais de gros poutous. Et toi aussi, ma belle. Et le chat qui tape. Chat qui tape pour Nadine. Gros bisous, ma petite Kate. Merci pour ton sub prolongé. Donc, en gros, cette semaine, on a ça. Hop. Et j'ai déjà, donc, comme d'habitude, j'ai déjà tout préouvert et pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, etc. Je suis très fière de vous dire qu'on a que des courriers courts. Alors,
gros guillemets, mais en gros, il n'y a pas 50 thèmes différents dans le même courrier. Je suis fière de vous. I am very proud. Donc voilà, ça c'est. Alors, on en a quand même pas mal, hein, mine de rien. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a une bonne petite quinzaine de courriers. Mais ils sont relativement courts, quoi. Ok, GG, ça va. Tu penses que tu pourras finir à 16h30? En vrai, c'est possible. Peut-être pas 16h30, mais. Ça va, c'est faisable. En vrai, je pense. Je sors ça du champ pour qu'on s'y retrouve. Est-ce qu'on commencerait pas? Ça me perturbe d'avoir la voix cassée. Vraiment. Hein. Bon, c'est exceptionnel, mais je vais faire un message pour parler de moi, JPP. À quel moment c'est exceptionnel, Armin? Tu passes ta vie à raconter ta vie. Je vais me réorienter en CAP vente alternance, you know. Non, I know pas, mais cool. Et hier, j'ai été à Lyon, parce que Lyon, c'est cool, pour aller voir des librairies, parce que je veux être libraire. Et j'ai été dans une boutique manga. J'ai pas pu parler au responsable, mais le responsable m'a envoyé un mail pour qu'on fasse un entretien visio. OMG, si heureux à l'aide. Tu sais que tu as un gros problème de racontage de vie, vraiment en détail, Armin. T'aurais pu dire que t'as eu un entretien dans un taf qui te plaît, tu vois. Mais non, il faut que tu fasses des parenthèses dans les parenthèses. J'hallucine, bravo en tout cas. En plus, Lyon, t'es pas loin de chez moi. Bon, ça veut pas dire qu'on va aller se boire un café, détends-toi, mais au cas où, tu vois. Commençons. Ouais, j'avoue, Alicia, faut que je demande à Ursula. La grognasse, c'est elle qui me l'a piqué, c'est sûr. C'est sûr. J'ai une voix un peu grave, tu sais. Mais c'est bien que tu sois heureux, mon bichon. C'est très bien. En vrai, je pense que la semaine prochaine, t'auras beaucoup de choses. Bah, apparemment, il y a. Bah oui, en fait, il y a Jojo et Hermine qui ont envoyé des lettres pour cette semaine et elles n'étaient pas dans la boîte postale. Donc, elles seront sans doute la semaine prochaine. C'est possible que ça diffère. On verra. De toute façon, elles doivent pas être bien loin. Hein. Je viendrai de stalk. Merci Betsabé pour ton sub! Merci beaucoup! D'ailleurs, pour que vous ayez une idée de combien on est à 362 subs en ce moment. Donc forcément, on a baissé parce que je vous dis, quand des gens offrent des groupes de subs de 5 ou 10, forcément, quand le mois est fini, ça enlève 5 ou 10 subs. Mais c'est énorme encore, merci beaucoup! Et donc, je crois que ça, c'est la lettre de ma toupie! Parce qu'elle a marqué derrière, petit quiz plus petit cadeau, toupie! Donc, je suppose que c'est toupie! Et regardez, vive les streams. Est-ce qu'on commencerait pas par un truc trop chou? Quand même. Hop, voyons voir. C'est petit, c'est court, c'est bien. Commençons par de la brièveté. Petite carte très mignonne. Ah, merci Gaïa pour ton sub, pour Bestiole Bleue. Ah, il n'y a rien écrit sur la carte, oh, c'est pratique. Alors. Il y a un petit booster. Alors, il est fait, il est ouvert, hein, rassurez-vous, rassurez-vous. Mais je vois des cartes à l'intérieur. Coucou Matibou, coucou Matoupi. Je voulais t'offrir un petit cadeau pour fêter ton retour dans la collection Pokémon. J'espère que ces petites promos te plairont. Oh, vous savez, attends. Faut que je vais commencer. Alors, je suis désolée, je vais commencer ce stream par un aparté. Ce stream va certainement pas se finir à 16h30. Princesse est venue à la maison samedi. On est allé à la cave, on a remonté ma collection Pokémon. On a trié, etc. On a tout rangé. Enfin, tout était trié, mais je veux dire, on a rangé tout bien, etc. Tout est prêt. J'ai une boîte pleine avec plein de sleeves différentes. J'ai une boîte avec toute ma collection de jetons. Et du coup, j'ai sorti mes promos. Parce que ma collection de promos, elle est à la cave. Et j'ai plein de promos de partout. Et il faut que je m'achète un classeur pour les ranger dedans. Donc, du coup, là, ça veut dire que ça va alimenter mon classeur de promos. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'achète mon classeur pour ranger mes promos. Hein. Quand même. Hein. J'ai aussi un mini quiz Pokémon pour les choup-choup. Oh là là. Oh là là. Alors, question numéro 1. Il y a combien de questions? Il y a trois questions. Il y a trois questions. Heureusement qu'on a sorti des promos. Mais de ouf, Princessa, de ouf. Et d'ailleurs, du coup, j'ai rangé tout XY dans l'armoire avec mes anciens blocs. Et par contre, les promos, je les ai gardés dans mon meuble. J'ai pas de action près de chez moi, c'est trop net. Non, mais je vais acheter un classeur à Monop, t'inquiète. Il y a que trois questions, ça va aller vite. Comment appelle-t-on les évolutions du petit Evoli? Réponse A, les Evoli choux. Réponse B, les Maxivoli. Réponse C, les évolutions d'Evoli. Réponse D, les évolutions. Salut Matt, comment tu vas toi? Moi ça va. J'ai la voix cassée, mais. Ah, mais grave, fire. En plus, là j'en ai deux classeurs différents. J'ai envie de vous montrer. Mais non, je vais pas vous montrer. On va pas commencer à digresser parce que. Après, on n'est pas rendu, hein. Et je vais prendre un classeur pour mes jumbos aussi. J'ai une collection de jumbos. Enfin, là, elles sont dans une pochette, remarque, c'est moins urgent. T'inquiète, Bemaxuxu, tu vas apprendre. Évolution.
C'est ça. Mélange entre Evoli et évolution. Donc c'est les évolutions. Question 2. Combien existait-il de Pokémon à ce jour? Putain, mais moi je sais pas. Réponse A, 1000. Réponse B, 789. Réponse C, 898. Réponse D, 612. J'adore Philali, moi, Didou. C'est mon évolution préférée. Ah, c'est pas mal dispatché. C'est la réponse C. Il y en a 898. Il y a presque 900 Pokémon et 8 générations. Et clairement, je suis pas à jour, hein. Et enfin, dernière question, et non des moindres. Pourquoi Thibou n'aime pas Goélise? Cela dit, maintenant, il y a un nouveau Pokémon que je peux pas blairer, hein. Réponse A, il est juste moche. Réponse B, il mange les miamiasmes. Réponse C, il ressemble au pingouin de Wallace et Gromit. Réponse D, il a insulté le Cux. Et elle a dit, je te laisse répondre. Bah t'inquiète Ludo, c'est normal, voyons. Nigozie ou Goélise? Aucun des deux. Aucun des deux. Ah si, il y a la vraie réponse, Princessa. Il y a la vraie réponse. Elle n'est pas détaillée, mais c'est la vraie réponse. C'est parce que c'est la C parce qu'il ressemble au pingouin de Wallace et Gromit et c'est à cause de ses yeux. En fait, il a des yeux en bâton et du coup, ça me terrifie. Voilà. Voilà. Gros bisous à tous, Toupie. Et du coup, elle m'a fait un petit. Alors, ça, c'était un truc qui se faisait beaucoup. Ça doit avoir fait des souvenirs, Toupie. C'est un truc qui se faisait beaucoup dans les premiers choupes-courriers que j'ouvrais. Ça s'appelle. En gros, il y avait des gens qui mettaient donc des boosters qu'ils avaient ouverts et ils mettaient eux-mêmes des cartes à l'intérieur pour faire un booster personnalisé. Ou des fois, ils mettaient juste. Donc, ça peut être que des communes, ça peut être que des cartes préférées. C'est pas forcément du tout des cartes de valeur. Bon, voilà, si elle a mis des promos, c'est forcément un peu des cartes de valeur, mais. Alors. Wouh! Oh, elle est trop belle! Oh, c'est une épée bouclier en plus! Attends, j'essaie de vous cadrer bien. Sort silence, parce que du coup, comme. En fait, j'ai repris Pokémon assez tard quand même. Et du coup, j'ai repris avec le bloc épée bouclier, mais j'ai repris à la quatrième session, donc c'est vrai que j'ai aucune des promos d'avant. Elle est trop belle, hein! Oh, j'ai envie de les ranger! J'ai envie de les ranger! J'ai pas encore rangé mes promos de épée bouclier. Elle est trop jolie! Nigozie et Goélise que des oiseaux de mer, j'avoue. Elle est trop belle la carte. Hein. Attends, il y en a une autre. Il y en a une autre, il y en a une autre. On fait pas de sondage. Ah non, c'est pas un booster, Manon. C'est pas un booster, c'est que des promos. C'est pas un booster et tout. Oh, waouh! Donc une autre promo, la numéro 49, un moumouflon. Moumouflon, là, dans le jeu. Elle est belle aussi. Pourtant, mon mouflon, c'est pas le Pokémon le plus prestigieux du monde, hein. C'est trop cool. Donc là, c'est numéro 49 et 55. Et dites-vous que, genre, pour le bloc XY, donc le bloc que j'avais collectionné, j'avais quasi toutes les promos dans l'ordre. Donc de 1 à genre 98. Alors évidemment, il m'en manquait parce que t'as certains coffrets qui sont exclusifs à certains magasins que j'avais pas près de chez moi et tout. Mais j'avais toutes les promos dans l'ordre, quoi. Non, on n'est pas en confinement, Ludo, nous. Et une autre carte. Il en reste une. Attention. Waouh! Elle est trop belle! Mais c'est pas une promo? C'est une carte d'un bloc, ça? C'est une carte d'un bloc? C'est de quel bloc? Enfin, de quel. Attends, GX, c'est Soleil et Lune, non? Je suis pas sûre. Je crois que GX, c'est Soleil et Lune. Et VV Max, c'est Épée Bouclier. Soleil et Lune, c'est ça. Elle est magnifique. Waouh. Ah oui, ça date, Alissa, effectivement. Elle était dans un coffret, mais c'est une réédite d'Éclipse Cosmique. Ah, c'est pour ça. Elle est trop belle, en tout cas. Le dessin est magnifique. Arrête, parce que j'ai pas le bloc Soleil et Lune. Je le collectionne pas, donc me donne pas envie, là. Non, c'est impossible, c'est impossible. Elle est super belle, hein. Carte escouade. Le dessin est magnifique. C'est de Mitsuhiro Arida, ben on connaît. Hein. Merci ma toupie. T'es faux folle un peu, hein. T'es un peu faux folle, hein. Je le remets dans ton petit booster. Je te remets dedans. Merci ma toupie. Tu es si soyeuse. Vous avez combien son quiz Pokémon au fait? 3 sur 3, j'espère.
Bon, en vrai, j'aurais eu 2 sur 3, je pense, parce que j'aurais pas su le nombre de cartes. Attends, ça, je vais le mettre là. Non, je vais garder les cartes là, la lettre, je vais pas commencer à dispatcher mes trucs. Ça, ici. Première lettre faite. On commence fort. 3 off course de vélo. Mine ton humour au secours. Deuxième petite lettre rouille. Oh! Ah oui, alors ça, quand je l'ai vu, j'ai halluciné. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Est-ce que vous devinez? Salut Tristan! Juste comme ça. Yeah, Viril Diane! C'est des boosters! Alors en vrai, du coup, je me tâte à refaire une ouverture en stream parce que il y a une miss qui m'avait offert un petit sachet à ouvrir de mon côté. Et il y a cela en plus. Donc en vrai, on pourrait limite refaire un stream. Hein. Est-ce que ça vous dirait? Même si en soi, il me manque 20 stickers. Donc il y aurait quasiment que des doubles pour vous. Hein. Merci beaucoup, Natoren Kunz, pour ton sub offert. C'est trop gentil. C'est Frenchy Oya qui l'a récupéré. Trop cool. Mais attends, Frenchy, je crois que c'est Pipou, non? J'ai un doute, mais je crois que c'est lui. Et merci, JB, pour ton follow. Et merci, Lucario, pour ton follow. On se refait un stream? Non mais pas maintenant, pas maintenant. Mais en vrai, il me manque que 20 stickers. Mais avec tout ce que j'ai en sticker, avec les deux sachets, ça sera pas perdu. Je vous ferai gagner, je vous les donnerai. Je donnerai. En tout cas, c'est trop gentil. Ah, attends. Coucou Thibou, je suis Robocopéto sur le chat Twitch et je t'envoie des boosters Gorgeous en espérant que tu complètes ta collection. Merci pour tout et je te souhaite d'être épanouie et heureuse pendant longtemps. Je te suis depuis maintenant depuis 3 ou 4 ans. Et j'adore ce que tu fais. Tu te renouvelles sans arrêt tout en gardant ta motivation. T'es épanouie et ça se ressent. Non, Roboco! Sinon, je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et je suis d'Alsace. Je pense que tu t'en fiches. Alors, coup de balai, déjà, je m'en fiche pas. Ensuite, l'Alsace, best région ever, meilleure bouffe du monde. Et je pensais que tu étais un homme de 36 ans, Robocopéto. Je sais pas pourquoi je te visualisais comme ça. J'ai hâte que ton livre sorte, merci. J'ai énormément de passions. Lire, panini, coloriage, séries, films, cinéma, jeux vidéo, jeux de société, pâtisserie. Je suis Hatsem dans les écoles maternelles. J'écris tout ça pour que tu puisses te représenter la personne que je suis. Et grâce à toi, j'ai pris le courage d'aller consulter un psy pour problème familial et pour essayer de prendre confiance en moi. Car je suis du genre à penser que je suis nulle, moche et je sais rien faire. Et je sais que c'est pas vrai. Je te raconte tout ça, mais tu t'en fiches peut-être. Bien sûr que non, je ne m'en fiche pas. Comment vous pouvez croire que je m'en fiche? Je vous demande, si vous m'écrivez, vous avez le droit de me partager ce que vous voulez me partager. Roboco, je ne sais pas si tu es là. Mais en tout cas, mille merci pour tes stickers, déjà. Et mille merci pour ton petit mot que je trouve extrêmement touchant. Donc, courage à toi, lâche rien. Et aie confiance en toi. Tu peux avoir confiance en toi. Tu es extraordinaire. Est-ce que c'est clair, Roboco? Même si je pensais que t'étais un homme de 36 ans, ça ne change rien. C'est trop cute. C'est beaucoup trop cute. À l'aide. Du coup, grâce à deux bienfaiteurs parmi vous, on refera un stream gorgeous. Alors, par contre, m'envoyez plus de sachets, hein, parce que de base, déjà, il me manquait que 20 stickers. Donc là c'est cool, ça va nous faire une dernière ouverture. On va essayer de compléter. Puis après, je pourrais vraiment vous donner beaucoup de trucs. Mais faut plus m'en envoyer, hein. Tout le monde est extraordinaire. Mais oui! De ouf! Troisième petite lettrouille. Voilà, on va dire que je commence, sauf je commence par les petites, hein, forcément. Mais oui, on a un bon rythme. Panini, j'ai pensé au sandwich. Et non! Ça me donne envie de vous montrer ma collection de promos, c'est affreux. Hein. Coucou Thiboudouboudou, salut les choupchoups, mars 2021, bon sans doute, je suis dans les, hey, je suis à jour, hein. D'ailleurs si on a le temps, ce serait pas exclu que j'ouvre un ancien choupartiste qui dort depuis 6 mois, ce serait bien 8 mois maintenant même. Comment allez-vous? Pour le mieux j'espère. J'avoue ne pas être très à l'aise à l'idée de t'écrire une lettre malgré l'envie qui me ronge depuis l'ouverture de ta boîte postale. Oui je sais c'est bête, alors elle sera sans doute très courte, mais au moins je saute le pas, c'est déjà très bien, bravo. Même s'il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais bon. Je me présente rapidement, je m'appelle Chloé. Enfin, tu me reconnaîtras peut-être plus sous le pseudo de Douce âme perdue. J'ai 14 ans et j'habite à Strasbourg. Oh, bah deux Alsaciennes d'affilée. Est-ce que tu es là, Douce âme perdue? Est-ce que tu es présente? JPP, si Thibou s'en fichait de nous, je pense qu'elle me bloquerait sur Insta tellement que je raconte ma vie. Oui, non, mais toi, t'es un cas spécial. Toi, toi, tu racontes vraiment beaucoup ta vie, tu vois. Salut, Aline! Tu trouveras 6 juin un collier confectionné par mes petites mimines lors d'un de tes streams coloriage. J'ai choisi les couleurs qui, je pense, te plairont. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir le courage de t'envoyer une lettre un peu plus longue prochainement. Des bisous, même si c'est pas très Covid. Prenez soin de vous, Chloé. PS, je te conseille de faire attention en enlevant et en mettant le collier car je ne sais pas trop si mes nœuds seront assez costauds. PS2, désolé pour les fautes s'il y en a et j'esquive les coups de balai. C'est trop mignon comme petite lettre. Oui, t'es là. Oh, bah écoute, ta lettre est adorable, Bichette. On a hâte de voir ton collier maintenant.
J'ai peut-être un peu trop emballé. Alors regarde, 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 regarde. Regarde, attends, je vous montre. Ça, c'est un smiley pas du tout désolé. Ça, c'est un smiley bien vicieux, tu vois. Bien vicieux. Mais alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais les petites lettres comme ça, là, c'est un bonheur. Ça permet de découvrir un petit penche, un petit truc de la personne, tu vois. Genre, Toupie, elle a fait son petit quiz, elle a mis les trois petites cartes. On a eu la lettre juste après qui était trop choupette avec les stickers. Là, on a un petit collier fait main avec une petite lettre trop mignonne. Tu sais, ça fait un peu des... C'est un smiley vicieux, exactement. Oh, il est trop joli! Attends, je vais essayer de vous le montrer de manière un peu plus proche. Il est beau, hein? Ah non, Ramine, c'est pas l'heure du pain au chocolat encore. Est-ce que je peux le mettre en mode sans l'attache? J'ai l'impression qu'il est grand. Ouais, regarde. Et bim! Hop là! Je le porte directement. Merci beaucoup, Chloé, il est trop beau. Il est vraiment joli, hein? Franchement, très beau. J'aime beaucoup. Merci, ma Chloé. Ça fait sirène, de ouf! De ouf, de ouf. Coucou les petits sucs, ça va? Bisous ma Ace. Bon courage. On passe aux lettres moyennes. Oh, il y a carrément... Oh, j'adore, il y a carrément le détail de ce qu'il y a dedans. Bon, par contre, j'arrive pas à comprendre. Reco-livre, recommandation sans doute. Quiz, créature fantastique et dessin. Ça, c'est... T'as tout dedans, t'as l'inventaire. Non, mais je vous dis, cette semaine... Je crois qu'on a eu un perfect au niveau de tout ce qui est organisation, clarté, tout ça. Hein. Vous êtes exceptionnel. En même temps, je remonte mon adresse pour ceux qui la veulent. Attends, attends, attends. On va cacher l'adresse de la bichette par contre. Hein. Hop. Vous envoyez à ça. Je reçois. J'ouvre en stream. Enfin, j'ouvre avant de mon côté. Donc, essayez pas de m'envoyer des trucs cons. Ça passera pas. Hein. On ne sait jamais. Hein. Alors, voyons voir. Oula, 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 oula. Mes réseaux. Alors, attends. Attends, attends, attends. Step by step, hein. Ok, ça va, il y a un quiz. Ok, j'ai cru que c'était une lettre de 3 pages, j'ai eu peur, mais pas du tout. Ok, allons-y. On attaque. J'ouvrirai ça après. Coucou Thibou. Disons coucou. Disons, on dit disons. Le stress, c'est mon colis. Ah ouais, Lazo? T'inquiète. J'espère que toi et tous les choup-choup vont bien. Est-ce que vous allez bien? C'est important. On va le répréciser à chaque fois, hein. Moi, très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai déjà écrit une lettre dans laquelle je parlais de la série Le jeu de la dame. Donc voilà, voilà, me revoilà. Oui, ça, je crois. Alors, je me rappellerai pas de ton pseudo, mais je me rappelle du courrier sur le jeu de la dame. Je viens de voir le moment où vous lisiez ma lettre, j'étais trop contente. Et me revoilà quelques minutes après en train de taper frénétiquement sur mon clavier d'ordinateur pour écrire une nouvelle lettre. Alors, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est un truc que j'ai remarqué. Souvent, les premières lettres, c'est comme Chloé juste avant. C'est genre un truc genre. Oui, bonjour, alors je ne sais pas trop si voilà. Et une fois que vous passez en stream et que vous voyez que tout se passe bien, c'est débloqué. Et alors là, ça repart. Et là, j'ai une lettre toutes les semaines. C'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, toutes les semaines, pas obligé de... Tu vois ce que je veux dire, hein. Avant de commencer les choses sérieusement, je veux juste te féliciter, Thibaut, pour ton livre. En effet, je comprends ton euphorie, car j'ai moi aussi fini d'écrire mon premier livre. Il ne sera pas publié, je l'ai juste imprimé pour moi et mes proches. C'est l'accomplissement d'un projet personnel et c'est une sensation unique quand tu te rends compte que tu viens de boucler ton tome. J'ai écrit ce livre pour ma meilleure amie et je vais le publier sur Wattpad pour avoir d'autres retours afin d'améliorer ma plume. Dès que je finis un des projets que j'ai dans la tête, je rentre dans une espèce de transe et j'arrive pas à la faire redescendre. Pardon. Et j'arrive pas à faire redescendre l'excitation en moi. Du coup, je saute partout. Du coup, je saute partout. Attends. Du coup, je saute partout pour essayer de me canaliser un minimum. Il manque des mots en fait. Donc je pense que c'est pour essayer de me canaliser un minimum. On va me prendre pour une folle maintenant. Non, mais si, c'est ce que vous pensez. Je vous contredirai à aucun moment car c'est la triste vérité. Lazo est parti en cahouette. Lazo en écrivant, elle était en mode. Ah! En premier temps, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini la semaine dernière, Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Dans ce livre, on suit l'histoire de trois femmes musulmanes dont la vie n'est pas facile. Ramla va être obligée de quitter l'homme qu'elle aime pour se marier à un homme très influent, alors qu'elle était déjà fiancée à ce premier. Cependant, le mari de Ramla est déjà marié depuis 20 ans à Safira. De son côté, Hindou, la sœur de Ramla, va être contrainte de se marier à son cousin violent. Pour affronter toutes ces épreuves, on conseille la même chose à ses femmes, la patience. Loin d'être d'accord avec ces événements, ces trois femmes impatientes vont essayer de combattre leur vie tragique. Bon, on peut pas appeler ça une histoire joyeuse. C'est ma marraine qui m'a offert ce bouquin pour mon anniversaire. Ça diverge vraiment de mes habitudes de lecture, mais c'est pas pour autant qu'il m'a déplu.
L'histoire se passe au Sahel, au nord de l'Afrique, et comme je l'ai dit dans ma précédente lettre, j'adore apprendre. Je connaissais pas du tout les coutumes et habitudes de là-bas. En lisant ce livre, j'ai vraiment pris conscience à quel point j'ai de la chance d'être une femme qui vit en France. Ce livre dénonce les violences faites aux femmes et les conditions de vie de la femme au Sahel. Ce livre est vraiment dur à lire à cause des sujets abordés donc je ne le recommande pas à tous. En effet, on va parler de viol conjugal, de mariage forcé, de violence et de polygamie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui est basée sur des faits réels, car elle m'a fait beaucoup réfléchir. Je vais juste parler du moment qui m'a marqué. Un garçon va tenir tête à son père pour défendre sa sœur. Il va dire qu'aujourd'hui les femmes ont des droits, mais ses paroles n'ont pas du tout plu à son père. Ce dernier déferla encore plus sa colère sur le jeune homme. J'ai longtemps hésité avant de parler de ce livre, craignant d'être maladroite dans mes propos et qu'on interprète mal mes mots. L'histoire parle beaucoup de l'islam, car c'est la religion des trois filles qu'on suit, et la plupart des hommes sont décrits de manière péjorative, car ils abusent de l'autorité qu'ils peuvent exercer sur les femmes. Donc je suis désolée si mes propos ont été maladroits. Je dis pas que telle religion est mieux qu'une autre ou que les hommes sont tous des connards, mais je voulais juste faire une petite parenthèse pour qu'on prenne conscience que tout le monde n'a pas autant de droits qu'on peut avoir en France. Voilà, j'espère vous avoir embêté ou blessé certains par mes propos. Pas du tout, alors, je vais te dire un truc, dans le prochain update lecture, donc samedi prochain, donc dans un peu moins d'une semaine, je vous parle entre autres d'un livre écrit par une Marocaine qui parle de son pays et qui parle des conditions de femmes, des conditions des femmes dans son pays. Et son livre, en fait, c'est une ode à l'amour à son pays, à sa société, à sa culture. Et c'est pas pour autant qu'elle veut pas faire changer les choses. Donc je pense que typiquement, l'autrice qui a écrit le bouquin dont tu parles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle aime son pays, elle aime sa culture. Mais c'est pas parce que tu aimes l'endroit où tu es que tu veux pas essayer d'améliorer les choses. Et c'est pas pour autant que tu peux pas condamner ce qui n'est pas bien. Je pense que personne ne fera d'amalgame entre des personnes justement qui abusent de leur pouvoir et la religion musulmane. Je pense que tout le monde sait que ça n'a rien à voir. Donc t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est très bien résumé et ça a été en rien irrespectueux. Oui, c'est ça, Dracolos, exactement. Passons à quelque chose de plus joyeux à présent. Attends, je vous redis le titre au cas où, Les Impatientes, de Djaïli Amadou Amal. Voilà, si ça vous intéresse. Passons à autre chose de plus joyeux à présent. En effet, c'est l'heure du quiz. Attention, il va falloir prendre des petites notes car mon jeu est un peu différent des autres quiz. Vous devez retenir le symbole de vos réponses pour ensuite découvrir ce que vous êtes à la fin. Mais c'est un test, oh, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. C'est Bémou qui avait fait ça aussi. Vous savez, genre comme dans les magazines de meufs, si t'as tant de triangles, ça veut dire que t'es jaloux, si t'as trop de carrés, on pourrait en faire ensemble aussi des tests en vrai. Ça peut être trop bien. Donc, petit papier, petit stylo. Oui, je sors toujours au cas où. Hop. Exemple, à la fin du quiz, j'ai 8 étoiles, 3 cœurs et un triangle. Je suis donc étoile car j'ai plus d'étoiles que les autres symboles. À la fin, j'ai fait des fiches pour expliquer qui sont les étoiles, les cœurs et les triangles. J'espère que c'est clair. C'est comme Bébou nous avait fait. Sauf que Bébou s'était basé vraiment sur son univers à lui. Hein. Et là, du coup, c'est les réponses qui sont ici. Attends. J'ouvre pour être sûr de bien comprendre. Mais je pense que c'est ça. C'est trop cool, hein? Prenez-vous un petit stylo ou alors un petit truc pour écrire. Et un petit truc pour écrire, ou alors l'ordi ou le portable, hein, si vous arrivez à... Parce que là, on va pas retenir, je pense. Ah, il y a un dessin. Attends, je vais pas me spoil. Je vais pas me spoil. Alors, je n'arrive pas à dire combien il y a de questions. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 questions. Ça va, c'est pas trop long. 9, 10, je sais plus. Bon, on va voir, 8 et 10. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, moi je suis prête. Alors du coup, il y a... Alors si vous voulez noter à l'avance, il y a des triangles. Moi, je vais faire des bâtons en face, hein. Des cœurs, un yin-yang et une étoile. Je sais pas dessiner une étoile, j'en suis là à 32 ans. 31 ans, j'ai pas encore 32. Anticipe pas, Marilyn. C'est bon? Alors, première question. Dans la vie de tous les jours, tu es plutôt triangle, borné, têtu, difficile de te faire changer d'avis quand t'as une idée en tête. Cœur, joueur ou joueuse, rien de mieux que de rire et s'amuser pour illuminer sa journée. Yin-yang, réfléchi, tu penses toujours aux conséquences de tes actes. Étoile, loyale, tu ne trahirais jamais tes proches et leur bien-être est ta priorité. Fais un astérisque, ouais, j'avoue. En vrai, je suis un peu les quatre. En vrai, je suis un peu les quatre, c'est dur à choisir, hein. Non, non, faut en mettre qu'un, princesse, non, c'est de la triche. Enfin, je pense. On peut en mettre plusieurs ou un? Non, je pense qu'il faut en mettre un. Si on commence à mettre plusieurs. Je suis quand même peut-être plus joueuse. Je suis joueuse et bornée en même temps. Faut trancher, faut trancher. Hein, sinon ça biaise. Bah ouais. Ouais, alors, ok, alors, Bélou, je répète.
Mais pour les prochaines, je répéterai pas, ok? Parce que ça va me niquer la voix si je dois tout répéter à chaque fois. Donc pour celle-ci, je répète. Pour celle d'après, on se concentre, ok? Triangle. Borné, têtu, difficile de te faire changer d'avis quand t'as une idée en tête. Cœur. Joueur ou joueuse, rien de mieux que rire et s'amuser pour illuminer sa journée. Yin-yang, réfléchis, tu penses toujours aux conséquences de tes actes. Étoile, loyale, tu ne trahirais jamais tes proches et leur bien-être est ta priorité. Je vais dire, dans la vie de tous les jours, je suis plus joueuse que bornée. Quoique, non, ça dépend. Je suis quand même plus joueuse. Je m'amuse plus, je m'amuse plus. On va pas dire sur le quotidien, tu sais. Après, je suis loyale aussi, mais enfin, j'ai pas tous les jours un serment du jeu de paume, tu vois, à prêter, quoi. Donc. Question 2. Alors là, c'est long, donc on se concentre. Pour un premier rendez-vous, tu préfères triangle, faire du sport, aller à la salle, courir, faire un contrat en basket avec ton ou ta partenaire. Rien de mieux que de te défouler pour laisser les tracas de côté et faciliter les rapprochements entre vous deux. Cœur, une chambre d'hôtel. Tu veux savoir si vous êtes compatible sur le point physique avant de te projeter plus loin. Et puis, il y a quoi de mal à prendre du plaisir? Alors certes, mais enfin un premier date. Yin-yang, une bibliothèque. Tu veux faire découvrir une de tes passions à ta moitié et aussi tu ne veux pas d'un inculte. Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Attends, je finis juste ça. Étoile, un café ou dans ta cuisine, rien de mieux que discuter autour d'une bonne boisson et d'un petit encas pour découvrir quelqu'un. Ouais, au lit, au premier date, ça va un peu, c'est un peu rapide quand même, hein. Attends, sortie audio. Ok, c'est bon, j'ai enlevé. C'est le casque, j'avais besoin. J'avais le casque, j'ai sur son casque. Bon, moi, c'est clairement le triangle, hein. Non, c'est clairement l'étoile, pardon. Je vais clairement au café, hein. Genre, faire du sport en premier. Déjà, faire du sport tout court. What the fuck? Avec mon premier date, c'est mort. Chambre d'hôtel, c'est un peu rapide quand même. Après le premier date, pourquoi pas? Mais au premier date, genre, tu donnes rendez-vous à la chambre d'hôtel, tu sais même pas si le gars c'est un psychopathe. Et bibliothèque, tu peux pas parler quoi. Donc, moi, ce sera étoile. Quelqu'un veut s'en prendre à ton âme sœur. Tu, triangle, va le démonter, quitte à le tuer. On s'en prend pas à la personne que tu aimes comme ça. Petit cœur, tu le séduis afin qu'il baisse sa garde plus facilement pour te servir de lui. Le tuer est une option. Yin-yang, tu le rends hors d'état de nuire avec toutes les manières qu'il est possible. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Étoile, tu vas mettre à la personne que tu aimes à l'abri, puis tu pars affronter ton ennemi. Oui, alors je pense qu'il faut. C'est pas forcément dans notre vie de tous les jours, hein. Qu'est-ce que je sais pour un premier date? Va le démonter, quitte à le tuer, mais ça va pas, non? Puis ça dépend, s'en prendre comment? Genre, est-ce que c'est quelqu'un qui va lui dire ouais, t'as une tête de bite? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va l'agresser? Tu vois, c'est pas la même. Ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. Moi, je mets la personne que j'aime à l'abri, puis je vais le démonter. Enfin, le démonter, il dit pas le démonter, il dit tu vas affronter ton ennemi, donc je vais faire ça. Je mets, en fait, en gros, je réconforte la personne, je la fous tranquille dans un coin, et puis après, je vais voir le gars, je fais, au fait, viens là que je te nique ta race. Toute amabilité. Bien sûr. Ensuite. Oh! Ah, j'aime bien. À première vue, enfin j'ai juste vu la question, j'ai pas vu les propositions. Hein. À première vue, qu'est-ce qu'on pense de toi physiquement? L'option je suis moche n'est pas valable. Chaque personne est belle, on est juste plus dur quand il s'agit de soi-même. J'aime. Triangle, séduisant ou séduisante, avec beaucoup de sex appeal. Cœur. La pureté de tes traits te rend autant magnifique que séduisant. On désire beaucoup ce qui semble interdit et impossible à atteindre. Yin-yang, une beauté fatale sexy. Étoile, extrêmement beau, on vous idolâtre pour votre beauté angélique. Moi, je dirais séduisante avec beaucoup de sex appeal. Sans trop d'hésitation, c'est venu très spontanément. C'est très rapide, très d'un coup. Ah, princesse, faut choisir, meuf. Salut Sophie, merci pour ton follow, au fait, Tommy Town. Il n'y a pas l'option. Ah, il faut choisir. On choisit, on choisit. Ah bah c'est pas impartial, c'est elle qui a fait le test, forcément. Pieuvre chamanique donne trois qualités. Merci Sophie.
citronnelle. Bonjour Aïssata. Allez, on choisit, on choisit. C'est vrai que ça se rejoint un peu pour certaines. Mais ça vous force à vous faire des compliments. On passe à la suivante, donc il faut choisir. Vous préférez écouter. Merci Fanny Dream pour ton prime, merci beaucoup. Vous préférez écouter Triangle, un bon rap, Cœur, une chanson d'amour avec une belle voix de lover en fond. Ça, c'est tous les fans de BTS. Ying Yang, de l'électro, rien de mieux pour vous faire vibrer et vous connecter à ce qui vous entoure. Étoile, de la musique classique, parfait pour reposer vos oreilles et vous concentrer. Alors, rap et électro, j'en écoute de temps en temps, mais c'est vraiment pas la majorité. Chanson d'amour, ça m'arrive. Mais je dirais quand même la musique. Si je devais choisir un truc à écouter le plus, ce serait la musique classique. Parce que c'est un truc que je mets tout le temps en off quand j'écris ou quand je travaille. Il n'y a pas le rock. Non, mais il n'y a pas tout, Attel. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il n'y a que quatre propositions. Tu sais, c'est comme quand tu fais un quiz, un test dans un magazine comme ça, hein. Merci Lilliputienne pour ton follow. Ça donne trop envie de faire d'autres tests comme ça ensemble. Tu sais, genre dans des magazines et tout, en vrai, ça vous donne pas envie? Je vais pas acheter des magazines pour faire des tests, faut déconner, mais. Il doit y en avoir en ligne aussi. Bonjour Myriam! Et coucou, bah coucou Lily. La question c'est qu'est-ce que vous préférez écouter? Question suivante. On vous dit que vous devez partir à la guerre pour combattre. Quelle est votre réaction? Ah! C'est intéressant, c'est intéressant. Triangle. Tu y vas tout de suite. Si on a besoin de toi pour défendre les plus faibles et éliminer une potentielle nuisance pour ceux que tu aimes, tu réponds présent immédiatement. Cœur. Tu te réfugies chez toi, espérant que les assaillants ne vont pas t'atteindre. Mais s'ils arrivent, tu seras là pour riposter. Ying Yang, tu prends ton sac qui contient toutes tes affaires et pars pour le front. Tu es paré pour toute éventualité. Et Étoile, tu réfléchis pour trouver un moyen d'éviter ces affrontements inutiles. Malheureusement, aucune solution ne se présente à toi. Tu informes ta famille de la situation et pars combattre aux côtés de tes amis. Triangle, c'est quand même vachement cassé des bouches, hein. Ah, de moi-même, on ne me dirait pas que je devrais partir, je me réfugierai chez moi. Et si on m'attaque, je me défends. Mais on me dit que je dois partir. C'est pas genre, il y a la guerre, qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est on me dit que je dois partir. Genre, il y a le gouvernement, il m'impose d'y aller. Bah, t'as pas le choix, en fait. Ou alors, tu deviens hors la loi. Bah, étoile, hein. Je vais rester sur étoile, je pars avec mes potes. Mais en vrai, ça me ferait chier. Le triangle, c'est t'y vas tout de suite et en gros, t'es chaud d'y aller, tu vois. Si on a besoin de toi pour défendre les plus faibles et éliminer une potentielle nuisance pour ceux que tu aimes, tu réponds présent immédiatement. Triangle, tu butes des gens. Cœur, je reste lâche pour toujours. Oh, et pieuvre chamanique, cœur, c'est pas lâche, hein. Cœur, c'est s'ils arrivent, tu seras là pour riposter, donc tu leur casses la bouche quand même, hein. Ensuite, il nous reste plus beaucoup de questions. Tu veux séduire la personne que tu aimes. Triangle. Tu fais tout pour lui montrer que tu es la meilleure personne qu'il existe dans le monde pour elle. Tu sors tous tes atouts et n'hésite pas à te dénuder pour la faire tomber sous ton charme. Le ou la faire tomber, bien sûr. Cœur. Rien de plus simple. Séduire, c'est comme respirer pour toi. Ying Yang. Tu pourrais très bien faire un filtre d'amour, mais tu ne doutes pas une seconde de tes charmes naturels. Et étoile, tu lui fais la cour, tu te plies en quatre pour la séduire et susciter son attention. Rien de plus simple, séduire, c'est comme respirer pour toi. Je suis pas très modeste, mais en même temps, en vrai, ça me fait pas peur de séduire. En vrai, je me dis, si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon, tu vois. Jamais de la vie, je me plie en quatre pour quelqu'un. Plus jeune, oui. Maintenant. Hey, tous ceux qui font étoile là, d'où vous vous pliez pour des gens? Vous pliez pas, restez droit, wesh! Plier en quatre plutôt que crever. Exactement, Rimoucha, exactement, on se plie pas, nous! On reste droit, les enfants! Tête haute, regard regardant, et le gars il reste, elle est. Il n'y a pas de plié, il n'y a pas de plié en quatre, en trois, en deux. On continue! Comment se sent ton partenaire à tes côtés?
Triangle, si vous n'en avez pas, vous imaginez, hein. Triangle, en sécurité, sentir la protection de tes puissants bras quand tu l'enlaces, c'est une sensation merveilleuse. Cœur, comblé, il n'y a pas un seul désir que tu ne puisses assouvir. Yin-yang, puissant, tu dégages une telle prestance qu'il est impossible de ne pas être fier d'apparaître à tes côtés. Étoile, aimée, il est le centre de ta vie, bien qu'elle soit très longue. Ça sent le truc un peu fantaisie à la fin au niveau des résultats. Hein. C'est ça, princesse. Aimé ou puissant? Moi, je dirais aimé quand même. On reste sur l'étoile, hein. On va être plein d'étoiles, je crois. Hein. Salut, Perlou! Comment va, mon chou? Vous préférez habiter? Alors là, faut que je vous montre. Alors, faut que je vous cadre correctement. Alors, attends. On se concentre. Je vais faire défiler parce que sinon, ça passe pas. Hein. Vous préférez habiter? Triangle. Donc, une maison grave moderne dans les bois. Un peu paumée, clairement paumée. Cœur, une maison un peu genre chaumière, mais quand même stylée, hein. Paumée aussi, mais près d'un lac, genre Tell Me Why. Yin-yang, un manoir, clairement, voilà. Et étoile, qu'est-ce que c'est? Une maison dans la montagne. Ah, je pense qu'en fait, c'est pas tant la maison, c'est genre forêt, près d'un lac, campagne ou montagne. C'est plus l'élément, à mon avis, qui diffère. C'est plus ça. Deuxième, c'est bonjour les moustiques. Ah, c'est pas un marais, peut-être pas. Moi, c'est près d'un lac quand même, hein. Près d'un lac avec la grande vue dégagée. Ou dans la montagne, mais dans la montagne, il y a des côtes. Non, non, près d'un lac. Petit cœur. Les cœurs montent chez moi, les cœurs montent. Alors, on continue. Eh ben, dernière question. Il reste une question. De toute façon, moi, je vais être étoile, du coup. Je vais être étoile, forcément. Dernière question. Tu dois t'entraîner pour être apte à combattre. Triangle. Un sac de frappe, des gants de boxe, des haltères, tu prends tout ce qui pourrait te rendre plus fort. Tu ne refuses jamais un affrontement avec l'un de tes proches, c'est une excellente manière de s'entraîner au combat. Cœur, tu fais les yeux doux à ton coach, la transpiration très peu pour toi. Yin-yang, tu t'exclus des autres pour aller te connecter aux éléments de la nature tout en révisant tes sorts. Étoile, tu prends une cible et plusieurs armes pour bosser ton adresse, ton habileté ainsi que ta concentration. Alors là, pour le coup, moi je serais triangle. Si je dois m'entraîner. Je le fais à fond. Si vraiment, genre, c'est un objectif et tout, ouais, sac de frappe, gants de boxe, halter et je m'y mets quoi. S'il faut que je le fasse. Mais oui, compote de pommes, de ouf. Du coup, ça vous fait combien? Alors attends, je lis la fin de son message. Voilà, t'es arrivé à la fin de ma lettre. Si t'as pas encore lu le papier lettre-réponse, je t'invite à le faire tout de suite. Dedans, je donne les résultats du quiz et je donne quelques petites explications sur chaque espèce fantastique. Donc, il faut aller voir avant. Alors, vous êtes quoi au maximum? T'es à égalité? Moi, j'ai deux triangles, trois cœurs, aucun yin-yang et cinq étoiles. Donc, je suis plus étoile. Les numéros indiquent dans quel ordre j'ai dessiné les dessins. Oh, elle a fait des dessins pour illustrer. Oh, c'est génial! Elle a fait des dessins pour illustrer les résultats. Alors, ceux qui ont le plus de triangles, vous êtes des loups-garous. Oh, c'est génial! J'adore le concept! C'est trop cool. En plus, le test, je pense, c'est vraiment elle qui l'a fait. C'est trop, trop cool. Donc, les étoiles au max, vous êtes des loups-garous. Tu es un loup-garou, cette fameuse créature venant des légendes européennes qui est très souvent présente dans les livres Big Pit et les séries fantastiques. Grâce à ta réputation incroyable, peu de personnes te tiennent tête. Et ceux qui osent le faire le regrettent très vite en prenant conscience de la force que tu renfermes en toi. On te prend pour un gros dur au premier abord, mais je ne doute pas une seconde que tu es une personne au grand cœur au fond de toi. Quand tu aimes, tu ne fais pas semblant et tu t'investis à 100%. Tes proches et l'élu de ton cœur sont ta priorité. Il passera toujours avant tes propres besoins. Tu es très séduisant et il est difficile de résister à ton importance sex-appeal. Tu as de grandes valeurs qui sont très importantes pour toi. Toutefois, pense à te poser avant de prendre des décisions primordiales. Tu as tendance à te laisser trop facilement submerger par ton impulsivité. Est-ce que ça vous correspond? Bah ouais, on est sexy, bien sûr.
ça devient bien princesse. De ouf, de ouf. Alors, qui a eu le plus de cœur? Ça, c'était triangle, Didou. Ah ouais, princesse, t'es... Oui, du coup, t'es loup-garou. Ah, il y a Jojo qui est... Oh, il y a quand même quelques cœurs. Les cœurs. Nymphe. Donc, je vous montre le dessin. Tu es une nymphe. Ces magnifiques femmes viennent de la mythologie grecque et romaine. Généralement, leur nom signifie jeune fille. Jeune fille en âge d'être mariée, fiancée ou même vierge. Mais cela varie en fonction de leur contexte. Il existe de nombreuses sous-espèces de nymphes qui renvoient à la forêt, à un lac, à la montagne, etc. Mais dans tous les cas, ces femmes sont liées à la nature. On retrouve très souvent les nymphes aux côtés des satyres dans les mythes. C'est pour cela qu'elles sont hyper sexualisées. Tu es une personne extrêmement belle. Ta beauté et ce que tu dégages attirent tout le temps les personnes à toi. Même si on se concentre que sur ton physique ou sur la première impression qu'on a sur toi, tu es plus que ça. Tu es assez maligne pour te servir de cette manie qu'ont les gens pour en tirer profit pour des fins personnelles. Tu aimes plaire, c'est indéniable, mais tu es aussi une personne incroyable si on apprend à te connaître. Oh là là. Oh là là. Alors les nymphes, ça vous plaît? Je trouve ça absolument génial, le concept. Vraiment, le test avec les petits dessins pour illustrer, c'est trop trop bien. Franchement, pas mal. On est d'accord. On est d'accord. Qui a la majorité de yin-yang? Est-ce qu'il y en a? Moi, j'ai zéro en yin-yang. J'adore le concept. Mais oui! Ah, oh, Toupie, c'est vrai? J'ai zéro. Toupie et Ninon. Et Wattel. Oh, c'est marrant. Déjà, les trois, c'est marrant, tu vois. Parce que les trois, je les connais, donc... Alors, vous êtes sorcière. Le dessin est trop beau. En plus, hein. Trop classe. Alors, vous avez un gros pavé, vous, hein. Tu es une sorcière. Depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin des temps modernes, à peu près, les sorcières représentent quelque chose de négatif. On peut le remarquer avec les descriptions, femmes moches, véries, etc. Merci pour le follow, Katia. Hop, c'est bon. Et Aniana, je sais plus si je t'ai dit merci, donc au cas où, merci. La chasse aux sorcières et le procès de sorcellerie. Mais leur image change radicalement vers 1970 grâce au mouvement féministe. À présent, les sorcières sont un emblème dans le fantastique. On les retrouve très fréquemment dans les livres, les séries et les films. Aujourd'hui, quand on vous dit sorcière, on ne pense plus à une femme, on pense plus à une femme forte, puissante et séduisante qu'à une vieille femme hirsute avec une verrue sur le nez en train de jeter une malédiction dans un vieux grenier. Tu es une personne qui a souvent été incomprise ou isolée par les autres, car tes habitudes ou tes points de vue n'étaient pas similaires aux leurs. Tu t'es souvent remis en question, cherchant à savoir qui tu es réellement. Une fois que tu as rencontré des personnes qui te convenaient, tu as eu l'impression d'enfin savoir où était ta place. Les différences des uns et des autres n'ont aucune importance pour toi. Au contraire, tu vas les aider pour qu'ils fassent de cette différence leur force. Dans la vie, tu as besoin d'interactions, des événements qui chamboulent ton train-train quotidien ou même des débats avec tes proches. Même si tu n'aimes pas avoir une vie monotone, tu ne refuseras jamais des temps calmes pour te ressourcer ou lire un bon bouquin. Pour toi, l'âme et la personnalité priment sur le physique. C'est pour cela que tu as une immense soif de savoir et que tu es toujours enjouée pour apprendre à connaître réellement les personnes. Alors, c'est assez ouf parce que... Honnêtement, ça me représente énormément et j'ai pas eu un seul yin-yang. Mais peut-être que le dernier me correspond encore plus. Peut-être. Mais c'est grave classe. Honnêtement, ça vous va très bien, les filles. Elle est sexy, la sorcière. Grave. Et du coup, le dernier, j'adore parce que le post-it, c'est je sais pas faire les étoiles. Moi, je suis pas la seule, ça me rassure. Et le dernier, du coup, les étoiles. Est-ce qu'il y a des étoiles? Je pense qu'on est beaucoup à être étoiles, hein. Ah, ça vous va de ouf, les filles. Hein. Ça me représente alors que j'ai deux yin-yang. Mais j'en ai zéro, Unity! C'est la pire chose. Peut-être que ça nous représente. Ouais, on est beaucoup d'étoiles. On est vraiment beaucoup. En même temps, c'était assez. En fait, étoile, c'était le plus mesuré, en fait. Hein. C'était. Étoile, nous sommes les elfes. Tu es un elfe. Cette créature légendaire nous vient tout droit de la mythologie nordique. Les descriptions des elfes sont très variées et différentes. Au début, on décrivait comme des petites créatures, mais avec le succès de certaines œuvres littéraires, on les imagine plus comme des jeunes garçons adultes sveltes, dotés d'une très grande beauté avec leurs emblématiques oreilles pointues. Tu es une personne très belle, qui suscite l'admiration de tous, aussi bien pour ton intelligence, ta sagesse ou tes capacités physiques. Il n'y a pas à dire, t'avoir comme allié ou ami est la meilleure chose dont on puisse rêver. Tu es un être doux qui est à l'écoute de tous. Tu accordes toute ton attention aux personnes qui te sont chères pour pouvoir les aider en cas de besoin. Même si on te voit plus qu'en quelqu'un de posé.
Même si on te voit plus comme quelqu'un de posé qui évite les conflits, il ne vaut mieux pas venir te chercher des noises, car tu maîtrises à la perfection l'art du combat. Ça me va pas trop fort, hein, c'est pas trop mal. En vrai, je pense que sorcier me correspond plus. Ça, c'était plus moi avant, mais c'est pas déconnant. Ça me correspond aussi. C'était grave stylé. Du coup, je reprends la lettre de fin. Trop... Et le concept est génial. Hein. Théotiska. Normalement, vous devez tous savoir qui vous êtes à présent. J'espère que mon quiz et ma lettre vous ont plu et vous ont diverti. J'ai mis du temps à envoyer cette lettre car je devais faire mes dessins, mais je trouvais jamais le temps de dessiner car j'étais beaucoup prise. J'ai écrit le début de la lettre il y a un certain temps déjà. C'est la première fois que je fais un quiz, donc je prie pour qu'il soit bien. En tout cas, je vais très bientôt renvoyer une nouvelle lettre sur un thème bien particulier. Je laisse des indices à la fin de la lettre pour que vous deviniez sur quoi va porter ma prochaine lettre. Est-ce que vous avez trouvé? Hihi, hâte de voir vos hypothèses. J'ai adoré en tout cas. Vraiment, j'ai adoré. Mon dessin préféré, je dirais la sorcière. Je le trouve super beau. Une belle intensité. J'aime bien. Donc attends, PS1, désolé pour les fautes. PS2, j'espère être présente pendant le stream quand vous allez ouvrir ma lettre. Je crois que tu es là. PS3, est-ce que vous vous êtes bien amusé les choupes? PS4, je vous adore les choupes et Thibou, vous êtes des personnes géniales. PS5, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta, je me ferai une joie de vous répondre. PS6, mon quiz est un peu comme celui de Bébou, donc je suis rassurée car j'avais peur que ce soit trop compliqué à faire en stream. Connexion, je l'ai dit tout à l'heure. PS7, gros bisous à l'équipe de Modo et à la team Rediff. PS8, ça veut dire beaucoup de PS, non? PS9, j'ai toujours quelque chose à dire donc c'est pas grave. PS10, bon ok, j'arrête, je vous laisse avec mes indices. Indice pour la prochaine lettre qui arrivera, quand elle arrivera. Alors, Katu Kuzue, Démon, Sakuna, Église, De Greyman, Satan, William Friedkin, Père Mathieu, Incantation et Eau Bénite. Alors, des idées? Je vous montre. C'est plus test que quiz, en fait. Trop de PS, tu le PS. Ouais, grave. Ça c'est plus, pour moi, ça, c'est plus des tests que des quiz. Du coup, si vous voulez causer avec... Hop. Voici les réseaux, je vous les montre. Ici. Instagram, YouTube, Twitch. Ouais, je pense à un manga aussi, ou un animé, Joël, vu les titres. Voilà. En tout cas, la lettre était incroyable. Je trouve ça trop cool de faire des tests. Je trouve ça trop trop fun. Après, faut faire gaffe que ce soit pas trop long, mais là, ça allait, tu vois. C'était bien dosé. Parce que t'as des tests, ils durent une éternité, hein. Hop. C'était trop... Ah, j'ai adoré. C'était trop fun. Merci beaucoup pour ton courrier. En plus, on a tous eu des compliments. Il y a plusieurs mangas cités, donc plus un type de manga. Ah, ok, Wattel. On continue! Hop. Alors, Happy New Year. Oula. T'as un petit peu... Hein? J'ai vraiment adoré le concept, c'est trop bien. Ah, mais grave. Attends. Alors, c'est des chansons. D'accord. Attends. La lettre est longue, mais je devrais m'en sortir. Cher Tiboudouboudou, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Je t'ai connu comme beaucoup d'autres apparemment sur tes vidéos Amour Sucré. Cependant, si j'ai suivi ton let's play, c'était pas vraiment pour son histoire, mais plus pour ta personnalité et tes réflexions sur celui-ci. J'ai du mal avec les visual novels où il n'y a pas un minimum d'épique. Par exemple, Eldaria me plaisait beaucoup plus avant qu'ils commencent à écrire un scénario avec leurs pieds. En effet, j'aime la façon d'être, ta façon de voir la vie, ton humour et tes délires. J'ai ainsi pris l'habitude de regarder chacune de tes vidéos et beaucoup de tes streams, même si je suis très invisible. Je sais pas encore qui tu es, mais c'est pas bien d'être invisible, c'est pas bien. Pour me présenter succinctement, mon pseudonyme sur Instagram est Laberian Green. Mais tu peux m'appeler Laberian. J'ai 23 ans. Alors, je montre le pseudo. Je sais pas si elle le remet plus tard, donc au cas où, c'est là. Salut la danseuse douce, bienvenue. Oui, elle derrière s'est pris un petit... Poum. C'est moi. Ah, ma coucou, illustre pleine verte. Pleine. Si j'ai voulu t'écrire cette lettre, c'était pour plusieurs choses. Et je voudrais commencer par une d'entre elles qui me tient à cœur. Ouh, par contre, avec ma voix,
C'est chaud. En vrai, j'ai déjà bu deux. J'ai déjà bu toute la bouteille quasiment. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'étais mal dans ma peau. Extrêmement timide. J'avais pas d'amis. J'aimais pas non plus mon collège que je voyais comme une prison. En bref, j'allais pas bien à l'époque. Puis un jour, je faisais les courses avec ma mère et je me suis retrouvée devant le rayon de la littérature jeunesse. Un livre a alors attiré mon attention. Un dragon bleu tenant une orbe jaune ornait sa couverture. Ma mère a bien voulu me l'acheter comme cadeau de Noël et si je me souviens encore de ma rencontre avec cet ouvrage, c'est parce que ce livre a changé ma vie. Merci Sabrina pour ton follow. Quand je l'ai refermé, j'ai su que pour le restant de mes jours, la lecture serait une de mes plus vives passions. Toutefois, ce n'est pas le plus important le concernant, car si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je considère qu'il m'a sauvé la vie. Et je remercierai jamais assez l'auteur pour avoir écrit ce récit. Alors voilà, je voulais te féliciter pour avoir écrit ton histoire, parce que je trouve qu'auteur est un des plus beaux métiers du monde, et que par cet exemple qu'est ma situation personnelle, je voulais souligner l'importance de celui-ci, ainsi que le fait qu'un livre peut sauver une vie, et que le tien pourrait avoir le même effet, ne serait-ce que sur une personne. Alors j'espère, mais ça m'étonnerait, enfin, je sais pas, peut-être, ouais, après je vais avoir des coups de balai, donc je dirais, mais c'est juste que mon histoire, est, je pense pas qu'elle soit assez profonde pour faire ressentir ça à quelqu'un, mais peut-être, peut-être. Mais c'est dommage parce que t'as pas dit le livre, peut-être que tu l'as mis après. Mais, oui, non, mais princesse, je sais, oh, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors voilà, je voulais te féliciter, bon ça j'ai vu, pardon. De manière un peu plus générale maintenant, je voulais dire à toutes les personnes qui aiment l'écriture, qui voudraient écrire un livre, des poèmes ou autre chose, je n'ai qu'un conseil, écrivez. Et si 2 ans et plus de 100 pages Word écrites après, vous vous rendez compte que vous n'aimez plus votre histoire, que vous la trouvez nulle, eh ben c'est pas grave. Prenez un nouveau document et recommencez depuis le début. Que ce soit pour en écrire une nouvelle ou pour une réécriture de la première. Et si vous vous sentez dépité de devoir recommencer, dites-vous bien que le premier récit n'a pas servi à rien. Il a servi à vous faire progresser, et aucun texte que vous écrirez ne sera inutile. Elle a tout dit? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Attends, il me faut mon baume à lèvres parce que j'ai trop mal aux lèvres. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler qu'on a un atelier d'écriture sur Discord. Donc, ah, peut-être, Princessa. On verra quand il sera sorti, j'espère. Ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Si en plus du plaisir que j'ai pu avoir à l'écrivant, il procure des choses comme ça aux gens, ça serait génial. J'ai commencé à écrire vers mes 8 ans. Depuis, j'ai gardé tous mes textes. Beaucoup me font maintenant rire et certains sont écrits dans un français tellement approximatif qu'il est parfois difficile de savoir de quel mot il s'agit. Cependant, avec le recul, je ne regrette pas les centaines de pages que j'ai écrites et qui ne seront jamais lues par une autre personne que moi-même. Alors ne dépréciez jamais votre travail. Il en vaut la peine. Je l'aime déjà. Bon, voilà ma première partie terminée. Ce fut un peu long, mais s'il y avait un message que je voulais transmettre à toi et au Choup Choup, c'est bien celui-ci. Je sais que l'adolescence est difficile, mais je sais aussi que les choses vont s'améliorer par la suite. C'est ce que la vie m'a appris pour le moment en tout cas. Alors courage. T'as 24, c'est ça? 23, oui, ça m'étonne pas. Sinon, pour changer de sujet, depuis 1 an et demi, je me suis mise à l'écriture de chansons dans mon temps libre. Je chante comme une casserole, c'est vrai, mais c'est pas grave. J'aime la poésie et chanter me rend heureuse, alors je le fais. Un jour, j'apprendrai, au moins pour être juste. Elles sont basées sur la musique instrumentale de mes compositeurs préférés pour la plupart. Adrian von Ziegler, ainsi que Brandon et Derek Fichter. J'ai jamais écouté de plus belles mélodies que celles qu'il compose. Et j'ai joint à cette lettre 2 d'entre elles. Je fais aussi de la réécriture de paroles, mais c'est plus rare. Je préfère partir d'une base uniquement instrumentale. PS, quand j'avais 15-16 ans, j'étais fan de K-pop. Et j'ai cru comprendre que certains qui te suivent sont en plein dans cette période. Mes hommages à Stay Stay. Ça m'est passé depuis, mais s'il y a bien 3 chansons qui me sont restées de cette période et que je trouve toujours aussi bien, ce sont celles qui suivent. Time is up de Lee Dapple. Face the New East. Oh, tu sais que je l'ai dans ma playlist K-pop, Face the New East, je l'adore. Et Genius the Boyfriend. Oui, c'est un nom de groupe très niais. Et même si 2 des 3 groupes n'existent plus, leur musique, elle, reste. C'est peut-être dû à la nostalgie, mais pour moi, ce sont les meilleurs du genre. Donc l'une parle des personnes très sensibles, ou en tout cas de certaines d'entre elles, et l'autre porte sur le mariage. Alors je me suis dit que ces 2 thèmes pouvaient te correspondre et j'ai voulu te les partager. Si vous vous demandez, j'ai fait les cartes moi-même et d'ailleurs, bonne année. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter une bonne année. Plus une en bonus, l'ordre dans laquelle tu les lis importe peu. Enfin, comme je ne sais pas comment finir cette lettre, je souhaite une bonne journée à toi Thibou et à toutes les personnes qui écouteront ou liront potentiellement ce que je viens d'écrire. Je serai aussi ravie de faire votre connaissance, car si j'ai créé mon compte Instagram, c'est pour rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que moi. Elle est incroyable cette femme. On est d'accord? On est d'accord? Je vous remets son Insta du coup. Où elle est? Ah, c'est là. I got it.
La Berrienne Green. Ici. Elle est trop choupie, hein? L'ailette est magnifique. Je sais pas si c'est celle-là le titre de celle que j'aime bien de New West. C'est genre. C'est à propos d'un gars qui se fait harceler. Celle que j'adore. Je crois que c'est elle. Et oui, t'aurais dû mettre le livre coup de cœur. Vu, enfin, pour qu'il te fait ressentir ça. Salut Morgane! Ouais, c'est elle. Ah, je l'adore cette chanson. Mais tu sais que vraiment, je l'ai découvert il y a des années de ça. Avec. Putain, le nom. Un groupe de meufs. Nanana, 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 nanana. Non, je sais plus. Je crois que c'est ça. Nanana. Aïe, elles font ça à un moment, mais bon. Salut Yoshi! On n'a pas eu le nom du livre. Non! Chou petit bout, il faut pas me faire un colis vide-grenier. Ça sert à rien. Faut pas me faire un colis immense avec plein de trucs dedans. Il faut mettre, si tu veux m'envoyer des choses, il faut des choses qui aient une raison, si tu veux. Genre, que t'as envie de me partager. Orange caramel, c'est ça, c'est ça. Bravo, putain, vous êtes fort. Vous êtes très fort, parce que, en plus, avec la voix cassée, vu ce que j'ai fait, vous êtes vraiment malaise. Alors, du coup, donc le Happy New Year, du coup, qu'on comprend mieux. Et. Alors, pour le coup, les chansons, je vais vous les montrer. Et je vous laisserai, vous, si vous êtes curieux, aller voir de votre côté. Parce que c'est impossible. Déjà, je connais pas l'air et je ne veux pas. Hein, voilà, on va pas. Voilà. Donc, basé sur la version karaoké de Silent Scream d'Anna Blue. Une musique que j'aime beaucoup. Le refrain est en violet, si jamais. Donc là, vous avez la chanson et là, vous avez le bas. Le reste du texte. Comme ça, vous pouvez voir de votre côté. Et de l'autre côté, basé sur la musique de Derek Fischer, Celtic Angel. Musique Angel Wings. Laisse le temps, comme ça sera focus, hein. C'est pas grave pour les chansons, c'est plus comme des poèmes chantés, donc les lire, ça va aussi. Ah, mais c'est un peu long, meuf, t'as pas de pitié. Bah, attends, je les montre quand même en détail, pour ceux qui voudraient chanter en même temps. J'ai écrit cette chanson en me basant sur un film et sur la musique de Derek Fitchter nommé Griffon Riders. Saurez-vous trouver le nom de ce film? Donc là, déjà je montre tout. Comme ça, les gens qui veulent chanter en même temps, ils peuvent. Hop, et de l'autre côté. Et voilà. Ah, et du coup, la réponse au dos. Oh! Vous avez deviné ou pas? Basé sur un film, musique de Derek Fischer, nommé Griffon Riders. Est-ce que ça vous dit, vous avez une idée de ce que c'est? Ah, bah, si tu veux, chou petit bout. Je peux pas savoir moi ce que tu veux faire, mais avec plaisir. C'est une musique d'Avatar. Une participation aux choupes des filles n'était pas suffisante pour montrer tout mon amour pour ce film. C'est un chef-d'œuvre du cinéma pour moi. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'en est un. Je vais juste lire le refrain, histoire de préserver ma voix quand même. Comme ça, si vous voulez lire la totale, vous le faites, mais. Comme ça, je vous lis le refrain de celle-là. Le bateau de ma vie a fait naufrage. L'incompréhension se lit sur leur visage. Ils veulent lisser mon image, me faire jouer un personnage. Je voudrais pouvoir m'envoler, plonger dans l'éternité, sans avoir rien à me soucier, ne pas avoir peur d'être regardé. C'est vachement joli. La société est une hypocrisie. Fais-je vraiment de l'hystérie, ou bien est-ce juste un terme employé pour pouvoir nous écarter? Elle est belle cette chanson-là. S'il y en a qui veulent faire un cover, hein. Très joli, ouais. Vraiment très joli. Merci pour ton beau courrier. Vraiment, c'était un beau moment de partage que tu nous as fait. Ah, Maninon! Maninon, elle a fait une lettre! Elle a déjà fait une lettre pour nous apprendre le patois. Donc, alors. Coucou Thibou, comment vas-tu? Ou bonjour Thibou, Adité. Oui, Adité, c'est son truc de patois chelou, là. J'ai déjà oublié tout ce que ça voulait dire, hein.
Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde lettre, et cette fois-ci, nous n'allons pas apprendre un patois, promis! Je sais, je suis trop aimable. Non, non, aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de mes passions d'amour, la photographie animale. Et je confirme, quand Ninon, elle prend des photos, elle nous les met dans notre salon, parce qu'on a un salon où on se partage un peu nos kiffs du moment, et elle fait de très belles photos. J'aime la photographie dans sa globalité, et je peux passer des heures dehors à prendre ciel, fleurs et paysages. Mais j'avoue avoir un gros gros faible pour les animaux. Se promener et croiser des oiseaux, des insectes, ou avec un peu de chance, un joli mammifère des champs, j'ai la chance d'habiter à la campagne. J'adore également me poster à certains lieux stratégiques que je connais et attendre des heures pour que les petites bêtes montrent le bout de leur nez. C'est un des rares points sur lequel j'ai assez de patience. Le pire que j'ai déjà fait, c'est de me lever à 5 heures et d'aller me poster pendant 3 heures, c'est long, dans le froid, c'est encore plus long, pour voir une renarde. Et je l'ai vue, yes! Je te présente quelques-unes de mes photos préférées. Espérons qu'il n'y en ait pas trop, mais j'ai du mal à choisir. Bonne découverte! Si jamais c'est demandé, mon appareil photo, c'est un Canon 400D avec un zoom Tamron acheté à part. Mon Instagram, si vous voulez discuter, La Fleurie, j'y partage majoritairement mes dessins, mais également quelques photos animales. J'espère que ça vous plaira. Je me suis restreinte, j'aurais pu en mettre 50 autres. C'est l'occasion de faire un autre courrier, meuf, t'inquiète. Je vous partage sur Instagram. Ça fait bizarre de partager sur Instagram, parce que moi, je le connais. Ça, c'est des formations. C'est super intéressant, en plus, les photos animales. Donc, hop, première photo. Un mammifère. Je suis normande ou pas? C'est l'un de mes voisins. C'est une vachouille! On a une photo d'une vachouille! On va faire step by step, hein. Attends, les feuilles sont collées. Les feuilles sont collées, je répète. Alerte, tout va bien. Un petit bébou dans mon jardin, un beau matin. Petit écureuil. Oh, des laplapes! Sûrement ce que je vois le plus chez moi. J'en ai à l'appel, des photos de lapinou. Mais oh, ils sont trop mignons! Ça donne trop envie de les adopter. Oh, Fire, qu'est-ce que t'es drôle. Oh la vache, une vache! Regardez, bébé renard! L'une de mes grandes fiertés, elle n'est pas parfaite, un peu floue, je l'ai prise dans la précipitation, mais je m'attendais à voir la mer de loin et pas les trois bébés devant moi. Un bébé renardou! Promis, il n'y a pas d'araignée. C'est déjà bon à savoir. Ah, elle est belle celle-là. Elle est super jolie au niveau des couleurs, elle est super bien. J'adore les couleurs de cette photo-là. C'est vraiment esthétique. Pardon, c'est la description qui me fait rire. Je suis un joli papillon. Il a une patte, hein, une fois qu'on connaît. Les insectes, c'est sympa à prendre en photo en vrai. Hein. T'as vraiment des beaux trucs. Attends, j'essaie de pas avoir de reflets. Comme c'est plié, c'est un peu évident. C'est pas évident. Les petits bourdons. Un bébé bourdon. Ou comme a dit Thibou, un petit insecte velu. Oui, je l'avais déjà montré entre nous. Ah oui, j'avais dit ça. J'aime bien les bourdons pour ça, c'est mignon, je trouve. Avec les petits poils. On continue. Oiseau. Un petit piou-piou. Un deuxième. Oh, un gros piou-piou, là. Là, c'est. Les oies, je suis pas très fan perso. Hein. Ça fait peur, ça fait peur et c'est désagréable et ça fait peur. Mon petit moineau! Moineau, 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 moineau! Comme dirait Bambi. Oh, elle est belle celle-là. Un jet des chênes. Elles sont belles les photos. Hein. Ah, celle-là, elle est incroyable. Après, c'est imprimé à l'arrache, donc forcément. Enfin, à l'arrache, non, mais c'est pas une qualité de papier de photo. Tu les retouches ou pas tes photos, Ninon? So, typiquement, celle-là, tu la retouches. Niveau lumière, saturation, ombre, tu fais une photo de dingue. Hein. Je pense que tu peux forcer un peu. Hein. Ouais, mais les oies, personne n'aime les oies. C'est des têtes de cul, les oies. C'est pas que ça te pince la gueule. Et dernière page, j'ai passé si vite. Des têtes d'hirondelles. Ah, Ninon, mais retouche, meuf. La retouche, elle fait partie de la photo, hein. Tu peux y aller, hein. Tu peux retoucher netteté, tu peux retoucher les contrastes. C'est beau, les pioupiou, j'aime bien aussi, hein.
un pie vert et une pie bavarde. C'est trop beau. En vrai, c'était trop cool. Et toi, dis non, c'était pas long. Tranquille. Je remets tout ça bien. J'avoue, c'est l'heure du goûter. J'ai pas trop faim. En même temps, on a bouffé comme des ogres ce midi, donc... Je vais me prendre une banane pour le goûter. Attends. Namour! Je crois qu'il va falloir que je lève mon cul. Triste constat. Amer constat. Je repartage sur Instagram quand même. Hé, hey, artiste ou pas artiste? Artiste, bien sûr. Regarde. Bim, bim, bim. La fleurie. Bon, c'est son pseudo, hein. Si vous êtes sur Discord, vous la connaissez déjà parce que c'est une de mes modos. Vous la voyez souvent. Bim! Oh, trop cool que t'aies aimé Solvenia. À la maison des morts, c'est vraiment un bon roman. Je vais me chercher une banane et je reviens. Attends, je vous mets un focus parce que là, c'est le bordel. Oh, bah attends, je peux vous mettre mon petit écran qui revient. J'en ai un, ce serait con quand même, regarde. Regarde comme c'est beau. Eh, hey. Hey, y a du budget ou y a pas du budget? Du coup, je reviens. Qu'est-ce que je chante faux, Seigneur Dieu, c'était pas possible. Et voilà, I am back. Bam. J'ai ma banane. Pause goûter. Ah, parce que là, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Mais du budget, ah bah. Ah bah, je veux mon neveu. J'avais pas faim, mais là oui. Bah ça fait du bien. Et ça donne de l'énergie. Ça reste dans le bidou, tu vois. On goûte ensemble, c'est beau. Oh, ça fait du bien la gorge, la banane. Je savais pas. En parlant d'un truc que je savais pas. Faut que je vous raconte. Comme ça, vous pourrez me dire si ça vous arrive aussi. J'avais mes règles il y a quelques jours. Rassurez-vous, ça va pas à partir dans des détails gore. Pour prévenir, parce que tout le monde bouffe. Et en fait, j'étais réveillée à 2h du mat par des crampes au ventre vraiment horribles, vraiment affreuses. Et genre, ça m'a réveillée pendant 2h. Pendant 2h, j'ai essayé de me masser, etc. Rien ne faisait, donc j'avais pas à me lever, tu sais, pour prendre un bain chaud, tu vois, à cette heure-là. Donc j'étais en train de douiller ma race. Et genre rien ne fait. Alors que pourtant je connais le massage, tu sais, parce qu'au bout d'un moment, 31 ans de vie, je sais masser mon ventre quand j'ai mal au ventre, tu vois. Et, à un moment, donc 2h, avec les mains sur le ventre, à être en PLS en fait finalement. Non mais bouillotte, je sentais que ça marcherait pas, Sven. Et des fois ça marche pas. D'habitude, quand j'ai mal à ce point-là, c'est bien chaud. Salut, Elikiai. Ah bah tu follow au bon moment. Et en fait, à un moment, genre, j'étais donc dans le lit, et je lève le bras, tu sais, comme ça, pour m'étirer un peu. Et en levant le bras, donc en mode perpendiculaire à mon corps, ça m'a enlevé la douleur. Donc j'ai passé 15 minutes avec un bras en l'air, bon, je changeais de bras, parce que j'ai pas une endurance de ouf. Et en fait, le fait de lever le bras, mais tout de suite, ça fait comme un système de aspire de douleur. Un truc de fou. Donc au cas où, si à un moment, un petit salut nazier, ça repart exactement. Si à un moment, vous avez mal au bide, et que vous êtes couché, et que genre, la bouillotte, tout ça, essayez. Et en fait, j'en ai discuté du coup, j'en ai parlé au modo le lendemain. Je me suis dit, attends, c'est chelou, parce que du coup, je me suis rendormie après, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop chelou. Et en fait, c'est un système. En fait, c'est juste que ça étire et que du coup, le sang circule sans doute mieux, tu vois. Mais incroyable. Donc. Mais moi non plus, Alice. J'aurais jamais pensé. J'ai jamais entendu parler de ça. Et puis, c'était instantané, quoi. Genre, en fait, c'est vraiment, genre, je lève le bras et c'est comme si, genre, les crampes que j'avais se faisaient aspirer
Et petit à petit, genre, plus je restais le bras comme ça, plus mon ventre, il était. C'est comme s'il y avait du bon qui rentrait dedans, tu vois. Genre, c'était un transvase, c'était un truc de ouf. Et en 15 minutes. Alors, ça faisait vraiment 2 heures, je me tordais le mal, hein. Et en 15 minutes, je pouvais m'endormir. J'ai pu m'endormir. Donc, au cas où. C'est connu comme technique. Moi, j'avais jamais entendu, moi. Moi, j'avais déjà entendu, genre, qu'il fallait. Alors, plein de trucs, tu vois, quand t'as tes règles. En gros, il faut bouger, justement. Pas rester couché. Bouger les jambes. Étendre le bassin, etc. Pour que, justement, ça circule le sang, etc. Pas que ça s'amasse. Bon, là, il était 2 heures du mat. J'avais moyen envie de me foutre les jambes en l'air, si tu vois ce que je veux dire, hein. J'étais épuisée. En fait, le truc, c'est que j'étais épuisée. Vraiment fatiguée de ouf. Et j'avais même pas la force de me lever chercher ma bouillotte ou quoi que ce soit. Même si, de toute façon, je sentais que la bouillotte ferait rien. Et du coup, trop ouf. Donc, au cas où, si jamais, essayez. Si ça se trouve, ça vous fera la même que moi. Le sang, c'est comme le pognon, faut que ça circule. Ouais, grave. De ouf. Donc, voilà. Si je peux aider. On découvre des choses. Faut pas rester couché, en fait. Faut pas rester couché, c'est la pire chose. Faut faire de. Faut... L'idéal, si t'as vraiment mal, prends un bain chaud. Bain chaud, j'avais fait ça il y a 3 mois ou 2 mois, je sais plus, 3 mois je crois. 3 mois, pareil, y a rien qui faisait. J'avais pris un Nurofen, j'avais fait le massage, j'avais la bouillotte, à rien à faire. Je connaissais pas encore ma merveilleuse technique de lever le bras. Et j'étais couchée parce que je pouvais rien faire d'autre. J'étais vraiment en PLS. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fuck it, je vais me faire un bain. J'avais jamais fait, hein. Je me suis dit, je vais me faire un bain chaud. Et putain, mais. Oh, j'ai revis. Oh là là, bah comme la même chose en fait, genre je suis rentrée dans le bain et c'est comme si mon ventre petit à petit se libérait de l'intérieur. Pourquoi t'as la voix cassée? Je sais pas. Je pense que je parle beaucoup. Moi je connais pas Massilia. Tu pourrais passer à mes modos sur Discord ou alors qu'il y a un modo qui le note, que je regarde. Les tutos de Thibou. Comment on fait quand on supporte pas la chaleur? Crois-moi, quand t'as des crampes au bide au point que t'en pleurerais, tu la supportes. Ah, clairement. Tu sais, il y a des moments dans ta vie, t'as des exigences. Mais des fois, les exigences, elles prennent le pas sur d'autres, si tu veux. Donc, bon. Voilà. Le bain chaud. En fait, le truc, c'est que le bain chaud, je l'aurais fait là, mais il était 2 heures du matin, quoi. Donc, j'ai des douleurs abdos chroniques. Ce qui me soulage le plus, c'est de toucher mes orteils avec mes doigts. Très pratique et discret au boulot dans les transports. Rester couché avec une bouillotte, ça marche. Non, moi je trouve pas. En fait, la bouillotte, elle permet de supporter, mais ça règle pas le problème. La bouillotte, elle te permet de supporter le truc sans hurler. Et encore, des fois, ça passe pas. Ça dépend. Mais moi, en tout cas, je sais que la bouillotte, des fois, ça aide. Quand c'est des petites douleurs, tu vois. Mais quand j'ai des douleurs où vraiment je suis pliée en deux, ça rase et que genre. Je peux pas me détendre et tout, la bouillotte elle marche pas. Mais c'est rare que j'ai ça. Hein. Bah, la dernière fois c'est parce que j'avais bouffé une pizza la veille. Donc forcément. Moi pareil, quand j'ai mes règles, il faut que je mange light de ouf. Chose que je ne fais absolument jamais. Mais la pizza elle m'avait. Ouais, c'est ça. La chaleur ça détend les muscles. Clairement. Touché bonnet! Effectivement. Allez, on continue! Continuons! Regardez cette belle lettre. Regardez cette belle enveloppe. Bah moi je prends un médoc. Des fois je prends Nurofen aussi pour les règles. Mais Nurofen ça passe que si c'est pas trop trop fort en fait. Pour un cumul maïs en fait. Alors. Oula. Oula. Oula, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Fiche réponse. Fiche réponse. Quiz sur les K-dramas. Lettre de fin. Ok, j'ai compris. Ah non mais Gaïa, t'inquiète. Bien, il y a deux mots. Bien le bonjour à vous. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Je ne vous ai pas demandé. Prochaine note de lecture, c'est samedi prochain, Solvénia. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah, bien. Bien le bonjour à vous. Je vais vous emporter dans un monde fantastique, le monde des dramas coréens. Je sais, c'est génial. Ce monde, j'y suis depuis quelques années maintenant. Peut-être 4 ans déjà. Mon Dieu, le temps passe si vite.
Je me rappelle encore le premier drama que j'ai vu. Je me l'étais refait tellement de fois car je savais pas quoi regarder. Le bon vieux temps, on dirait que c'était il y a 4 siècles alors que non. Smiley qui rigole. Je vous montre le smiley qui rigole parce qu'il est quand même beaucoup trop cute. Voilà, ça c'est un smiley qui rigole. Ah, peut-être Fire. Enchantée, Coraline, 20 ans. Mais sur Twitch, je m'appelle Coraline Drawi. Est-ce que tu es là, Coraline? Ah, j'avais fait aussi un Chou Partiste il y a un mois, je crois. Du coup, pour les gens intéressés, n'hésitez pas à revoir la rediffusion sur la seconde chaîne de Thibou. Thiboutou, vive la team Rediff. C'est magnifique, elle me fait ma pub. Bisous, titre, vos courriers, une semaine bien remplie. Et bah, c'est parfait, mais ça ref. Si vous voulez voir son premier Chou Partiste, c'était cette vidéo-là. Magnifique. Oui, je me fais de la pub. Tu m'en fais aussi, donc je t'en veux pas. Merci Chanel du 79 pour ton follow. Dans ce courrier, il y aura 10 questions avec 3 propositions à chaque fois. Puis les réponses seront sur une feuille à part. Amusez-vous bien, bisous bisous. Drama plus quiz. PS explication. Pour les gens qui ne connaissent pas le monde du K-drama, c'est tout simple. Ce sont simplement des séries coréennes avec une très belle image, pour les plus récents. Je ne pense absolument pas à The Boys Over Flower. Il y a surtout de la romance et de la comédie, mais on peut retrouver aussi des dramas d'action, d'horreur ou plus sombres. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, dans ce quiz, j'en propose de tout style. J'espère que ça vous plaira. Profitez bien les choup-choup. C'est pas moi, c'est juste un avatar. Non, mais elle précise au cas où. Elle fait bien. Aucun rapport. Vous êtes beau ou belle, vous êtes géniaux. Et encore un grand merci pour cette vague d'amour qui m'a tellement fait plaisir. Vous êtes les meilleurs. Oh, c'est mignon. Ah bah oui, je crois que c'est celui de la semaine prochaine. De la semaine dernière. Oh là là, mais je suis défoncée. Je suis défoncée, Sergent Chevelin. Oh là là. Alors, quiz sur les K-dramas. Je vais aller faire pipi avant. J'ai mangé une banane, j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi. Je remets un be right back. Pause pipi! Pause pipi! Je vais chercher de l'eau en même temps. Tu fais mon duc. Ah, tu veux rentrer? Bon. Attention, les chats arrivent. Je ne sais pas comment le stream va finir. Hop. I am here. Ah, ça chante. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre petit quiz, mes enfants? J'avais vu un K-drama de ma vie, ça risque d'être la piquette. Et bah ben justement, Ushio, tu vas découvrir. Et ça, c'est beau. Attends, il y a petit cul. Qu'est-ce que tu fais, mon duc? Rémus! Est-ce que c'est une bonne idée que je les laisse rentrer? Qu'est-ce que tu fais? Non, t'as envie de jouer ou t'as envie de faire un câlin? Tu veux venir? Viens. Veut du câlin. Bah oui. C'est clair, Beluga. Oh, oui.
Désolée, Coraline. Ils te disent tous bonjour. Mais il n'y a rien qui remplace une petite maman, hein. Bon, non. Qu'est-ce qu'ils sont maltraités? Ah, vas-y. Oh, il y a eu un bruit. C'est rien, mon cul. C'est rien. Du coup, vous le voyez bien. Mais Maxouxou. Oh. Mais Maxouxou est tombé dans les escaliers. T'y crois, toi? Bah oui, il est pas très doué, mais Maxouxou. Bah oui. Il n'est pas très fut-fut. Non, c'est. En fait, il a plein de surnoms. Mais j'aime bien dire les petits culs. Tu vas mettre la chanson dans la tête. Bébé chat toutou, bébé chat toutou, bébé chat. Maman chat Ah, mais les deux petits sont très câlins. Et c'est vrai que je suis un peu à leur disposition. Salut Kinidjan! Je pousse le quiz au cas où s'il s'installe. En général, il s'installe pas, lui, hein. On sait jamais. Ok, on est bon. Il va ouvrir la lettre, c'est ça. Alors, j'enlève les réponses. Est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz? On va y arriver, on va le faire, hein. Ah, ben normal, ils ont dragon. Ils ont besoin de moi, je suis là. Il y a combien de questions? Il y a 10 questions. On va le faire ce quiz, on va y arriver. Question numéro 1. Qui sont les acteurs principaux du drama Strong Woman Do Bong Soom sorti en 2017? A. Park Young-sik, Park Bo-gum, Nam Joo-hyuk. Alors ma prononciation du coréen, hein, Jisoo, Park Yuna-sik, Park Bo-gum. Lee Jung-suk, Park Bo-gum, Jisoo. En tout cas, il y a Park Bogum partout. Hein, je. C'est-à-dire que. Voilà. Démerdez-vous. Allez-y au talent, au pire des cas. Ah, elle m'a fait des pavés pour tout, en fait. Ah oui, voilà. Oui, j'ai écrit beaucoup, mais j'étais inspirée. Merci. Alors, la réponse, c'est la B. Donc, Jisoo, Park Young-sik et Park Bogum. Ce drama me tient pas mal à cœur, étant donné qu'il était mon premier drama. Merci Douce Âme Perdue pour ton sub. En plus, c'est ton premier mois de sub. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Donc, me tient à cœur parce que c'était mon premier drama. Je le connais par cœur tellement je l'ai vu. D'ailleurs, il faudrait que je me le refasse. Il est dans mon top 5. Un drama tellement drôle, absurde et touchant avec le meilleur trio. Une fille avec une force herculéenne qui n'arrive pas à trouver un travail et qui va tomber sur le PDG, Min-Yuk. Qui va lui donner du travail en tant que garde du corps. En parallèle, nous avons une histoire de meurtre et kidnapping. Il est disponible sur Netflix avec 16 épisodes d'une durée de 1 heure pour chaque épisode. Au cas où. S'il y en a qui sont adeptes. Question 2. Combien y a-t-il d'épisodes dans le drama historique Empress Ki sorti en 2013? Réponse A, 16. Réponse B, 21. Réponse C, 51. Pardon. Je connais même pas. Ah bah bravo Armin. À tes souhaits, merci. Madame et Alice, je regarde pas de drama tout court, moi. Est-ce que Kim Jojo, c'est un drama? Un K-drama? Love Alarm? Alors, la réponse est la C, 51. Ça fait beaucoup, hein. Meilleur drama historique de tous les temps. Une histoire tellement bien, elle m'a fait passer par toutes les émotions.
Ce drama, il faut le voir. Il y a 51 épisodes de 1 heure environ, mais il y a tellement de rebondissements qu'il va vite à regarder. Je crois que je l'ai vu en une semaine et demie. Il y a un cast de ouf, mais surtout mon acteur favori, Ji-Shana Wook. Pour l'histoire, ça va être rapide, car j'ai pas envie de vous spoil. Nous allons suivre la vie d'une jeune qui va finir impératrice. On va voir tout ce qu'elle a vécu pour devenir impératrice, et c'est juste waouh. Ah, et au début, il y a une vibe Mulan. Vous pouvez le voir sur Netflix. Oui, Love Alarm, c'est un K-drama. Ah bah, du coup, oui, je suis pas spécialement fan. C'est rigolo, quoi, mais c'est pas... Question numéro 3. Le drama The Beauty Inside, sorti en 2018, est une adaptation d'un manga, d'un film ou d'un livre? Le film là, de la question 2, c'était Empress Ki. Enfin, le drama. Et là, le drama The Beauty Inside, sorti en 2018, est une adaptation d'un manga, d'un film ou d'un livre? Je vais pas vous lire les pavas qu'elle a fait à chaque fois parce que je vais mourir, mais je vais vous les montrer à la fin. Comme ça, vous aurez bien les descriptions des refs. Ou je vais vous dire juste pourquoi elle aime bien. Eh bien, c'est à partir d'un film. J'aurais pas dit ça. Pour le moment, je crois que j'aurais eu tout faux en suivant le hasard. J'aurais eu une piquette. Hein. C'est une histoire assez particulière, étant donné que nous avons notre personnage féminin principal qui chaque mois pendant une semaine change de physique, et notre personnage masculin a une maladie, il reconnaît pas les visages des gens. C'est con ça. Je crois que j'ai vu le film par contre, enfin j'ai pas vu le film mais j'ai vu le synopsis. On verra après. Question numéro 4. Dans le drama Her Private Life, sorti en 2019, quel groupe a interprété l'OST Help Me? Réponse A, Mamamoo. Réponse B, Dreamcatcher. Réponse C, Giddle. G-Idle. G entre parenthèses, plus loin, IDLE. Je ne sais pas comment ça se prononce. CM, c'est la cata pour moi. Alors, qui c'est qui a fait? Mamamoo? J'aime bien dire Mamamoo, c'est rigolo. Non, je prononce bien. Ah, cool! Giddle. Le quiz sur Pokémon était plus facile. Oui. Oui. Alors, je dois vous dire que vous êtes une énorme majorité à avoir faux. Voilà, juste pour vous faire plaisir. C'est Giddle, la réponse. Je vous mettrai après, hein, encore une fois, si vous voulez voir les détails. Pour ceux qui sont fans ou qui veulent des recommandations, je vous montrerai les détails. Question 5. Quel webtoon a été récemment adapté en drama avec comme acteur Cha Fung Woo, Moon Go Young, Hwang Haim Yop et Park Yuna? Question A, réponse A, question d'âge, réponse B, True Beauty, réponse C, Let's Play. Déjà, je connais les trois noms de webtoon, je suis fière. Je suis fière. Salut Robocopéto, bon, on a vu ta lettre. Merci pour les blisters, boosters, tu as compris. Et je pensais que t'étais un homme de 36 ans. Ça, c'était important de transmettre. Eh bien, la réponse est... Roulement de tambour! True Beauty! True. Je prononce si mal. C'est True Beauty, effectivement. Question numéro 6. Trouvez le drama. Une femme atterrit en Corée du Nord et va tout faire pour repartir en Corée du Sud. Indice sorti en fin 2019. Putain, c'est super politisé. Réponse A. Crash Landing on You. Réponse B. Extraordinary You. Réponse C. The Last Empress. Ah, il est éclaté, Tammy. Ah, c'est embêtant. On est à la 6. Ouais. Eh bien, c'est la réponse... Attends, je ne me gourre pas. C'est la réponse A. Oh, j'ai peur. Attends, les bruits, les follow et des subs, ils me font peur. Merci, Omegata, pour ton follow. C'est la réponse A. Crash Landing on You. Une histoire impossible entre un Nord-Coréen et une Sud-Coréenne. Eh ben, et donc. Question numéro 7. De quel drama provient la voiture rouge portant le nom Rebecca? Fight for My Way, Age of Youth, Eul Cha-Cha Waikiki. Dis-moi, c'est pas ça. Eul Cha-Cha Waikiki. Tu peux pas inventer un nom pareil en même temps, ça doit exister, hein, mais...
Oh, win to win. On n'est pas très très loin. En vrai, il reste trois courriers. Trois courriers après celui-là. Et on aura fini. Donc on va finir pas trop tard aujourd'hui. Oshio, j'avoue. Eh ben c'est bien la réponse C, j'hallucine. C'est donc full chacha, Waikiki. Voilà. Question numéro 8. Quel drama parle du dédoublement de la personnalité avec comme acteurs Ji-sang, Hwang Juna-hum et Park Seo-joon? Il a tout fait, Park Seo-joon. Pinocchio, Extracurriculas, Kill Me, Heal Me. Oh là, les langues étrangères quand t'es fatigué, c'est chaud, hein. 10 courriers, c'est correct pour un stream. On a fait plus 10, on a fait plus que 10, non? J'ai pas le nombre d'enveloppes exactes. Mais attends. Je vais regarder pendant que vous réfléchissez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fera 11. Ça fera 11. Il y a le test qui était plus long que les autres, mais... La réponse est donc, pour la question 8, la C, Kill Me, Heal Me. C'est pas Pinocchio et c'est pas Extracurriculus. En fait, vous aimez bien les noms ridicules, c'est ça? C'est pas Extracurriculus, désolé. Question 9. Quelle actrice a joué dans ces dramas? Hwarang, Murim School, Lawless Lawyer, Save Me et It's Okay Not to Be Okay. Réponse A, Park Shimi. Réponse B, Ho Yeon Seo. Réponse C, Seo Yeji. Aglouglou, aglouglou. Ah, il y a Cox qui est dernier. Tu sais, bah tant mieux, Alice. Réponds. Question 9, du coup. Je suis perdue, Dano. Ah, mais Jojo, moi aussi, hein. On découvre, c'est bien. Bon, là, je suis pas à retenir grand-chose parce que c'est que des noms d'acteurs. Donc, Mais par contre, c'est trop cool pour les rêves. Je pense que tous ceux qui veulent découvrir les K-dramas ou en découvrir des nouveaux, c'est vraiment pas mal. La réponse est donc la C. Seo Yeji. Voilà. Question numéro 10 est donc la dernière, mes enfants. Quel drama est un drama de type historique? Merci Zorak pour le follow. Moon Lovers, Scarlet Heart Rhys. B, The Great Seducer, C, The Something in the Rain. Ah, tu crois à Arzen? Ah oui, Aswen? Possible, possible, c'est possible. Je vais vous montrer après les paragraphes qu'elle a écrits. Hein. Ça peut... Vous verrez peut-être plus facilement en rediff aussi pour les trucs. La question, quel drama est un drama de type historique? Je sais pas si, genre, historique, vraiment historique, ou historique, genre, ils mettent les bons costumes. Je suis curieuse. La réponse est la A. Moon Lover, Scarlet. Je pense qu'elle a fait une faute, ça doit être Scarlet, je suppose, non? Scarlet Heart Rio. Non, vraiment historique, ça, c'est cool. Du coup, je vais vous montrer les réponses qu'elle a écrites, parce que en plus elle a bien argumenté tout ça, elle a bien détaillé pourquoi elle aimait, etc. Donc je pense que pour tous ceux qui veulent découvrir les K-dramas ou tout simplement en découvrir des nouveaux, c'est vraiment pas dégueu. Donc je vous laisserai faire pause en rediff tranquille, hein. Là je m'assure de juste de pas scroller trop vite pour que vous ayez le temps de bien faire pause sans que ce soit flou. C'est important. Ah, les notes sont pas ouf, hein. Ah, les notes, c'est pas fameux, mes enfants. Après, je crois que j'aurais eu zéro, moi, donc on va pas, je vous juge pas. Hein. Ça focus pas. Ah bon? Ah si, c'est en focus pourtant. Si, je suis en focus là. Peut-être que t'as ton stream là actuellement est pas en HD. Les notes sont pas folles, effectivement. Oh, pas mal, Alice! Oh, et depuis 3 semaines aussi, c'est pas beaucoup. Pour quelqu'un qui a regardé depuis 3 semaines, 7 sur 10, c'est plus qu'honorable, hein. Deux piquettes. Ah oui, ça... J'aurais eu une piquette aussi, hein, je vais avouer. J'essaie de cadrer un peu.
Ah, Omegata, oui, dommage. Merci, True Beauty. Ça t'a sauvé de la piquette. Et la dernière. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lire un peu plus en détail. Parce que pour le coup, elle a donné vachement d'infos. C'est super intéressant. Il y a quelques trucs que ça me tenterait bien de découvrir. Lettre de fin. Je crois que tu dois boire maintenant. J'avoue. Voilou, c'est la fin de mon petit quiz sur les dramas coréens. J'espère que vous n'avez pas trop galéré. Alors, je t'avouerai que c'est un peu la piquette générale, hein. J'ai essayé d'être rapide dans mes explications, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'avais trop de choses à dire et encore pour certains, j'ai dû me restreindre. Ma main n'en peut plus, j'ai trop mal et j'ai trop écrit. À la voyure, les gens. Je vais peut-être revenir prochainement avec un chupartiste ou un autre quiz ou un jeu, je verrai bien. Chalut, chalut! Oh, regarde! Il y a le petit chat! Chat qui tape, chat qui tape, chat qui tape! Le chat du stream! Oui! C'est trop mignon! Trop mignon! C'était super intéressant comme courrier. Faut que je garde les refs. Je regarderai la rediff aussi, au pire des cas, si je range la lettre. Mais c'était super intéressant. J'adore quand vous me faites découvrir vos univers comme ça. Ça fait beaucoup de refs. J'ai pas vu la saison 2 de Love Alarm, non. 7 sur 10, c'est bien, il n'y a pas des 10 sur 10. Je crois pas. Je crois que le maximum, c'est de 7 sur 10 en note. On continue. On a un petit colinou. Encore une fois, je vous montre l'adresse de la boîte postale si vous voulez y aller. Bam! Alors. Ouh là, il y a plein de choses. Ouh là là, il y a plein de choses. Hii! Cadeau. Oh, trop cool! Ça, faut que je décide ce que j'en fais. Ça, c'est des cartes, je vous dis, pour pouvoir jouer au jeu de cartes en ligne de Pokémon. Donc, en fait, on scanne les cartes. Vous savez quoi? Je vous en montre une. Ça veut dire que techniquement, le premier qui le fait, là, il a le truc, hein. Oh, pas mal! Là, vous avez trois boosters, par exemple. Donc, en gros, comment ça se présente? Vous allez sur le jeu Pokémon.fr, etc. Donc, vous tapez cette adresse-là dans votre barre de recherche. Vous téléchargez le jeu en ligne. Et après, ou vous tapez le code, ou alors vous scannez le QR code. Mais à mon avis, vous faudra taper le code parce que bah, c'est par ordinateur, donc ça va pas être possible, hein. Et le truc, c'est que... alors, vous pouvez, c'est totalement gratuit. Et quand vous achetez des boosters en vrai, vous avez toujours... Vous savez, c'est ces cartes-là. Il y a toujours une carte comme ça. Et donc, vous pouvez aussi ouvrir des boosters en ligne quand vous les achetez en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, c'est pas la même pioche, c'est totalement aléatoire, hein. Mais en fait, j'en ai plein. Et je sais pas encore qu'est-ce que je fais. Enfin, ce que je fais, est-ce que je les garde pour vous les donner? Est-ce que je les ouvre en vidéo, en stream par exemple? C'est la guerre pour rentrer le code en premier. Ah bah oui. Ah bah oui. Et là, du coup, elle m'en a donné plein. Donc, fais une grande ouverture. C'est ce que je me dis, Didou. Je sais pas. Ah bah, je pourrais y jouer en live, ouais. Mais ouverture en live, on en a pour 10 ans, hein. Même si ça va plus vite, clairement. Ça va clairement plus vite quand tu le fais en ligne, mais... Donc voilà. Ça, donc voilà, je le remontre, hein, mais je le plie du coup pour me rappeler qu'il a déjà été utilisé. Ça s'utilise qu'une fois, hein, donc c'est une personne. Ouvre en stream, ça pourrait être sympa. Mais en fait, je sais pas, c'est pas la même chose en ligne quand même. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool aussi. Donc on verra. Du coup, c'est très gentil, je ne sais pas encore qui c'est, mais merci beaucoup. Nous avons. J'ai visité et observé deux de ces paysages. Saurez-vous découvrir lesquels? De quoi tu. Attends. Deux de ces paysages. Ah, ok. Donc alors attends. Elle envoie cette carte-là. Et donc elle dit, j'ai visité deux de ces paysages, indice pour chaque. Petit 1. Un est connu pour une statue représentant un être céleste. Deux, l'autre rime avec canard. Attends, il faut que je regarde en même temps. Avec une statue représentant un être céleste. Et un truc qui rime avec canard. Dinard! T'es allé à Dinard, j'ai trouvé le canard. Tu as trouvé le canard, mais j'ai pas trouvé la statue céleste par contre. Tu rentres en avance les codes, puis ouverture en live, on peut avoir de jolies cartes. Oui, ah bah de toute façon, oui, je rentrerai en avance les codes, hein, clairement. Ah, le Mont-Saint-Michel! Ah bah oui, vous êtes pas con. Vous êtes pas con, hein? Vous êtes pas con? Il est où le Saint-Michel? Ah bah oui, il est là. Très jolie carte. J'aime bien une petite carte postale comme ça, c'est sympa. Tu sais, tout de suite, t'es un peu avec la personne, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit cartonnou. Un petit cartonnou. Les trouilles de faim, c'est très clair. Je reviendrai. J'adore. Les trouilles. Pas de menu, magnifique.
Enfin, menu chic, non, ce serait bien les menus, mais... Oh là, c'est une longue lettre. Mais ça va, c'est une page. On va s'en remettre. Coucou Tiboudouboudou, comment ça va? J'espère bien, toi et les choupchoups. Vous allez bien? Je pense. Alors, par où commencer? Par me présenter? Eh bien, pas aujourd'hui. Oui, je fais à la façon Miss M. Je crois que c'était sûrement la fameuse choupchoup qui dévoilait pas son identité. Ou à la Azerl. Bon, ok, je vais au moins vous révéler mon vrai prénom. Je m'appelle Inès. Vous en saurez plus sur moi dans mon prochain colis. Je compte en faire un tous les 3 mois. Chacun aura un thème différent. Celui-ci a pour thème la Bretagne, puisque j'y suis allée 2 fois, et j'ai ramené quelques petites choses. D'ailleurs, le prochain sera sur le Portugal, mon pays natal. Oh, une deuxième info sur moi. Oh, Seigneur. Mais alors, ce côté détective, là, mais faut que vous fassiez un crew, hein. Encore une chose. Il se peut qu'il ait quelques indices sur mon pseudo dans cette lettre et dans un des post-it. De plus, normalement, je serai dans le chat à ce moment-là, je rate jamais le stream du dimanche. Peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle n'est pas là, du coup, on ne le saura pas. Autre chose, je suis née le 9 mai. Qui sait mon signe astro, même si j'y crois pas à ces choses-là. T'es taureau, t'es une casse-couille. Mon frère est taureau, je peux le dire sans scrupule. Donc j'essaierai d'envoyer mon deuxième colis pour que tu l'ouvres ce jour-là, parce que c'est un dimanche. J'espère que vous aimerez ce colis-là, mais aussi celui-ci et les 2 autres. D'ailleurs, avez-vous remarqué que c'est moi qui ai dessiné les petits personnages présents dans cette lettre? Attends, je leur ai pas montré 2 secondes. Pourquoi je demande ça? Eh bien, peut-être que ça a un rapport avec un futur colis. Mais arrête de teaser, wesh! La meuf, elle se prend trop pour un détective, là. Et je viens de remarquer que j'ai commencé cette lettre avec coucou Thibou. Alors que d'habitude, j'aurais écrit « Hey, hey, my Thibou !» Indice ? Je vais pas me rappeler, je vais pas me rappeler du tout. Merci pour ton follow, Roy Zouluigi ! Ouais, c'est dur à dire ça aussi. Bref, comme j'ai dit, j'espère que ce colis te plaira à toi et au choup-choup, car c'est le but après tout. En temps normal, j'aurais écrit « En tout cas, super vidéo, mais c'est pas une vidéo, XD !» Indice ? Arrête ! Arrête avec les indices ! Très bon stream à tous, et moi, je vous fais des gros bisous. Miou ! Indice ? Comme ça, je donne trop d'indices. Oh, tu donnes beaucoup trop d'indices. En fait, c'est surtout que je vais pas chercher, en fait. Typiquement, je n'ai pas du tout la fibre détective, moi. C'est-à-dire que tu veux pas me dire quitter, tu me dis pas quitter. Je vais pas chercher. Qu'est-ce que je vais passer 4 heures de ma vie à essayer d'analyser qui a écrit quoi? Je m'en balèque. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux être anonyme, sois anonyme. Qui suis-je pour te sortir de l'anonymat? Personne. Signé la choup-choup dont tu n'arrives pas à prononcer le pseudo et surnommé Rage de Dents. Bah t'es à Karuchan. Aruka-chan, je sais jamais. C'est clairement toi. Oh, mais t'as non, mais c'est trop facile. Tu t'es fait chier. Arrête, accouche, tu vois. Et à la fin, c'est l'indice de trop. C'est l'indice de trop. Oh, j'adore. PS1. Normalement, 2 personnes, voire 3, savent qui je suis. Oh, bah là, on a tous peut-être, hein. Là, PS2. Oui, je mets beaucoup d'emojis. Je crois que j'ai été contaminée par Love Star, le château de l'amour. PS3. Évidemment, pas de réseaux sociaux pour garder mon identité secrète. Eh bah, du coup, t'es niqué. Voilà, c'est... Merci Jessica pour ton follow. Voilà, c'est... Donc je vous montre les dessins. Petit rond doudou. Rond doudou doudou, rond doudou, rond doudou. Il y a un petit renard. Ah, c'était drôle. J'aime bien. En vrai, c'est drôle quand même. Du coup, en fait, elle a absolument pas dit... Non mais attends, je viens de griller. Elle a absolument pas dit du coup de quoi ça s'agissait, ça. Alors, ça concerne la Bretagne, d'accord, mais on se démerde, hein. En fait, elle a passé toute la lettre. Elle a passé toute la lettre à teaser, genre, je vais vous faire 3 colis différents. Petit à petit, je distillerai des indices plus ou moins subtils. Et ben non. Oh, c'est pas grave, Akaru-chan. On t'aime quand même. On t'aime quand même. J'allais dire, c'était Akaru-chan, j'avais écrit dans les animes des sponsors. Ah ben. Alors, ah ouais, oui, c'est pas con. J'avoue, les sponsors, on a de la liste des anniversaires sur le serveur. Après, il y a d'autres personnes qui sont nées le 9, tu vois. Ça, je vais le remettre là-dedans pour pas que les chats boulottent. Bonus 2. Bonus. Oula, oula. Ah, il y a de la pâte à fixe. Pourquoi il y a de la pâte à fixe? Je ne sais pas. Dis-moi. Ça me rappelle le colis d'Azer, là. Ah, mais c'était trop drôle. C'est trop drôle.
C'est beaucoup trop drôle. Hasard, je l'ai spoté direct après. Oh, oups, il voulait être secret. Du coup, tous les trucs avant couvreur, c'était grillé, quoi. Bon, du coup, il n'y a pas de... Bah, allez, on ouvre, hein. C'est un peu Noël. C'est un peu Noël, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est? Ça sent l'aimant. Je sais pas pourquoi. Oh, vas-y, est-ce que tu m'as acheté un aimant super kitsch sur la Bretagne, meuf? Est-ce que c'est un aimant super kitsch? Genre avec une vache. Il y a des vaches en Bretagne? Une crêpe? Ou de la bière en dessin? Oh non, il est beau! Même si c'est bizarre, mais il est beau, il est beau. Il est pas kitsch. Enfin, il est touristique, mais il est pas kitsch. Au moins, les cadeaux sont pas trop grillés. Non, c'est clair. Bon, il y a quand même le cidre et la pomme, hein. On est quand même... Il n'y a pas la crêpe. Il n'y a pas la crêpe, mais... Il est très beau. En vrai, il est super beau. Au niveau des couleurs, je le trouve vraiment très, très beau. Il y a Merlin qui est passé. Un deuxième. C'est un deuxième? Non, ça a l'air plus souple. Les vaches, c'est en Normandie. Mais il y a des vaches en Bretagne aussi, non? Oh, chou petit bout, trop chou. Mon Merlin... Tu veux monter? Attends. T'inquiète, j'ai mis les colis là. Voilà. Fais ton cieux, mon chat. Non! Ah, il m'a envoyé à perpète en plus. I got it. I want it. I got it. I got it. I want it. Il y a des caches partout. Alors, on va mettre ça par terre. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, deuxième. Oui, bah ça va, je peux faire mon stream en même temps que je m'occupe de toi. Je sais que t'es exclusif, mais faut pas déconner quand même. Alors, coup de queue. Attends, faut que je trouve une prise. Ah, il veut pas, hein. Ah, il veut pas que je fasse autre chose en même temps. Hein. Ah, ça chafouine, hein. Hein, ça chafouine, mon seigneur. Mon... Oui, mais t'es mon seigneur, t'es my line. Mais en attendant, il faut quand même que j'ouvre. Ah, putain, le scotch. Il vous fixe. mais oui, mais je m'occupe de lui. Je passe mon temps à m'occuper de mes chats, wesh. Attends, je vais remonter la boîte parce que c'est quand même pratique pour mettre des trucs dedans. Ah, ça y est, il est saoulé. Oh, c'est mignon! Un petit cahier de messages. Oui, il regarde un peu de travers. Oui, oui, oui. Oh, il a volé l'élastique. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Bouge de là. Tu sais très bien que t'as pas le droit. Après, ça te fait des nœuds dans le bidou. Oh mais quel saligo! Il m'a fait le même coup la dernière fois! Je rêve, regarde ça! Non mais sans déconner! Quel saligo! Je suis choquée quoi! On va y arriver! Donc un petit cahier de messages. C'est mignon. Oui, ça ressemble à mon... C'est vrai qu'il y a un petit air. Je sais pas si on sait... Non, on sait pas. On sait pas d'où vient le dessin du début. Mais c'est très joli. Très joli. Très très cute tout. Tout en finesse, Merlin. En plus, ça marche. Moi, j'étais en mode, oh, il part, c'est cool, tu vois. Tu penses. Ça, c'est gros. Il est un peu déchiré, déjà. Ce bloc magnétique se fixe facilement sur toutes les surfaces métalliques. Dans la cuisine, au bureau, vous pouvez garder sous vos yeux votre liste de courses ou vos messages. Un cadeau utile à offrir ou à s'offrir. J'aime trop. Je l'ai lié avec une boîte de com, mais c'est très pratique. Pratique de ouf, en vrai, hein. Petit bloc. J'en ai un d'ailleurs que... Je sais pas si c'est pas une d'entre vous qui me l'avait offert. J'en ai un aussi comme ça. Il le savait qu'un homme est parti en voleur. De ouf. On se rappelle la dernière fois. Mais ça fait la deuxième fois qu'il me le fait. Hein. Donc voilà, un petit bloc avec un petit crayon. Ouais, reste dedans. Ça, c'est super pratique en vrai. Faudrait que je trouve un autre endroit. Parce que j'en ai un sur le frigo. Ça pourrait être pas mal de trouver un autre endroit où l'aimanter. Genre un sur le frigo et un autre dans la baraque, tu vois. Si tu veux écrire n'importe où. Pouvoir le mettre aux toilettes, ça serait pratique. Mais j'ai pas trop aimanté aux toilettes. J'ai des bonus! Je sais que je t'avais demandé de choisir entre les deux, mais bon, j'ai pas pu m'y résoudre. C'est pas un aimant. C'est pas un aimant. Ah, c'est ça, Gaïa, de ouf. Par contre, attends, on est d'accord que là, au niveau du scotch, là, y a pas de prise, en fait.
Pourquoi? Pourquoi autant de scotch? Tu pouvais pas mettre juste un petit chelouk là? Non, elle a fait tout le contour. Comment je l'ouvre, moi, le bordel? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de prise, c'est... Hop. C'est mignon. Tu m'as demandé de choisir? Je me rappelle. Tu m'as demandé de choisir un Karuchan? À quel moment? Je me rappelle pas du tout que tu m'as demandé de choisir entre les deux. Raconte-moi ça, ma belle. Bonus 2, je me suis dit que tu aimerais bien en avoir les stickers. Les stickers de quoi? Les stickers de ces petits dessins sur la lettre. Trop mignon. Il y a Renard et Rondoudou. Ce sont des hermines, pas des furets, elles sont mimes. Oui, elles sont très mimes. Effectivement, j'ai pas trop creusé sur le papier à lettres, mais très très mimes. C'est trop chou! Petite immersion en Bretagne, là, on kiffe. Et lettre de fin. Si elle nous parle encore de deviner qui je suis, je sais plus ce que je fais. Hein. Oh la vache! Ah oui, c'est de la lettre de fin. Attention, hein. Héreux, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré le préparer. Alors, avez-vous deviné qui j'étais? En vrai, j'espère que oui, avec tous les indices, mais si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, vous le saurez bien assez tôt. Et les stickers. Comme je l'ai dit dans ma lettrouille, le prochain sera sur mon pays d'origine, le Portugal. Si tu te demandes, oui, il y aura de la bouffe. Mais il y aura aussi un petit apprentissage de la langue, des recettes et des anecdotes, normalement. Ah oui, tu me prépares un truc quand même, hein. Puis, si vous ne l'aviez pas deviné, ce sera un choupe artiste. Je dessine depuis 3 ans, grâce à toi, puisque je dessinais avant, mais j'avais lâché. Et puis, j'ai découvert ta chaîne et les choupes artistes, et ça m'a donné envie de reprendre. De plus, j'ai commencé, enfin recommencé, à faire du crochet et d'autres choses. Non, c'est pas une blague de cul. Alors, alors, non, mais je suis la première à avoir des blagues de cul partout, mais alors là, vous l'aviez la blague de cul, là? Sans même moi, là j'ai pas du tout. Hein. Faire du crochet égale copuler, mais à quel moment? Non mais moi non plus j'ai pas compris. J'ai Silla, rassure-moi. Non, rassure-toi. Personne là, c'est magnifique. Merci Manon. Bref, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Tu m'as permis d'ouvrir des portes dont je n'avais pas la clé. J'ai également rencontré des personnes géniales comme Joël, Lina. Merci d'avoir gardé le secret de mon identité, les filles. Oh. Alice, Toupie, etc. Ah, elles n'ont pas eu trop de mal. Ça, on a trouvé assez vite quand même, ça va. J'étais super heureuse de te rencontrer en vrai lors de la Paris Manga 2019. RIP, je sais que t'as pas pu voir les acteurs des frères Weasley, je crois. J'ai failli pleurer, hein. On était les dernières avec une de mes meilleures amies et j'étais crevée. Il y avait Princesse et Wattel, si je m'en rappelle bien, mais c'était trop bien. Bref, je raconterai d'autres choses la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et on n'oublie pas Pouka Pouka Pouka. Ah non, mais meuf, j'étais tellement dépitée. Au secours. J'ai l'esprit mal passé d'habitude, mais là, je vois pas. Non, mais y a rien! Si moi je vois pas, je vois pas! Trop mignon. Ah bah écoute, c'était une très belle lettre. Je me languis de voir ta découverte du Portugal. Je me languis. C'était trop choupi. Ça me rappelle Miss M, effectivement. Genre, je ne te dis pas mon prénom, mais tu peux m'appeler Miss M. On va me faire ça. Ah, moi j'ai passé l'âge, hein! J'ai passé l'âge. Ah, il en reste 3 en fait. Quand même. Bah, attends, je vais faire un petit d'abord. Il y a lui, il est tout petit. Si c'est possible, j'aimerais bien que tu ouvres cette lettre un dimanche après-midi, car ce sera plus facile pour moi d'être là. Je précise au cas où, on sait jamais. Nous sommes dimanche après-midi, ça tombe très bien. Ah, j'imagine Alicia. Avant que tu ouvres cette lettre, j'ai juste une chose à rajouter. Habituellement, je fais partie de la team silencieuse, et il y a quelques jours, j'ai écrit mon premier commentaire sur Twitch. Et quelle surprise lorsque tu as répondu. Tu t'en souviens sûrement pas parce que c'était pas grand-chose, mais à ce moment-là, j'étais vraiment très heureuse. Ça va peut-être vous sembler bête, mais j'ai même couru dans la chambre de ma mère pour lui dire. Alors je voulais juste dire à tous les choup-choups qui n'osent pas parler de ne pas avoir peur de ça, car au pire des cas, vous n'aurez pas de réponse. Mais plus vous commentez régulièrement, et plus Thibaut vous remarquera, alors n'ayez pas peur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Elle a tout dit! Elle a tout dit! Au pire des cas, parce que le chat défile vite, effectivement, je lis pas tous les messages.
Mais tu me remarques, moi, Thibaut. Mais en vrai, quand vous écrivez, je vous remarque quasi tous, hein. Mais c'est juste que des fois, je peux pas tout lire, tu vois. Quand je suis concentrée sur autre chose, genre quand je joue et qu'il y a des messages qui défilent, je remonte pas, tu vois. Les trucs de début, ouvrir au début. Et là, tu vas me dire, non, jure. Et moi, je te réponds qu'on ne sait jamais. C'est magnifique, j'ai plus besoin de parler, en fait. Voilà. T'as pas passé l'âge de dire devine qui c'est à ton boucher ou fromager. Fromager, mais Maxoxou. Petite quiz sur Mamoun. Sur Mamamou. Ah, c'est pas le truc de K-pop qu'on a vu tout à l'heure. Ça va faire plaisir à certains, ça. Et là, ils vont être contents. Mamamou. C'est mon courrier. Ah, Divani, trop cool. Le dos droit d'Alexandra. I see, I see. Ça sert à rien de me dire que j'ai des trucs en attente. Je le vois, mes enfants. Hein. Paniquez pas. Hein. Ah, un DM privé pour... Akaru-chan, un message, t'avais dit entre maison, bord de mer et paysage de mer. Qu'elle est... Ah, d'accord, ok, je comprends. Très bien écrit. Coucou, tibouloubidou. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Marilyn. Petite sister, oui, comme toi, même si c'est pas la même orthographe. J'ai 14 ans, bientôt 15, le 8 mai. Ah, bah, encore une taureau. Et je suis en 3e. Yes, le brevet. Je te suis depuis 4 ans maintenant et je t'ai découverte avec amour sucré. Vive l'originalité. Je cherchais désespérément les solutions pour la route de Castiel et je suis tombée sur la merveilleuse youtubeuse que tu es. Depuis, je suis tombée in love de ta façon d'être et de ta façon de t'exprimer. J'admire vraiment le fait que tu n'aies aucun tabou et que tu n'aies pas peur de parler librement. D'ailleurs, je voulais vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, les choup-choups. T'es vraiment d'une grande aide pour certains et tes conseils m'aident énormément dans la vie de tous les jours. Alors encore une fois, je te remercie. Enfin bref, je m'éparpille un peu là, non? Bon, après tout, c'est pas si grave que ça, je suis une fille désordonnée, MDR. Bon, je redeviens la fille sérieuse de tout à l'heure. Je suis passionnée par la littérature et l'écriture. J'espère que tu viens sur l'atelier d'écriture du serveur Discord, alors. Je suis d'ailleurs créé un compte Discord, et j'aimerais beaucoup participer au concours d'écriture, mais j'arrive pas à me lancer, j'ai trop peur de pas être à la hauteur, surtout que tous les participants du concours ont une plume incroyable. Coup de balai! Coup de balai! Je veux un texte pour la semaine prochaine. Non excuses! J'aime aussi la danse, le chant et la musique en général. J'ai d'ailleurs un compte de danse où je poste des vidéos où je danse. Non, jure. Mais pas n'importe quelle danse, des danses de K-pop. Et oui, comme vous l'aurez donc deviné, je suis une grande fan de K-pop. Je suis multistan, mais mes groupes préférés sont Stray Kids. Oui, oui, le groupe avec Chan, on connaît, Stay Stay. Et Mamamoo, girl band. Mamamoo, j'adore dire ce nom. Passons maintenant au contenu de cette lettre, mélange de cette co-lettre, mélange de colis et de lettres. Au début, je voulais faire un quiz sur Stray Kids, mais comme ceci a déjà été fait, j'ai décidé de faire un quiz sur Mamamoo. Bref, d'ailleurs, sais-tu ce que bref veut dire? Bah, un peu comme... Bah, je suis pas si con. Merci JL Swinglia pour ton follow. Non, je vais te le dire alors. Bref est un acronyme pour dire « Bon, revenons-en aux faits ». C'est complètement faux, mais je trouvais ça stylé et, bah, et bien imaginé, donc j'ai voulu te le partager. Donc tu nous partages une info chat fake, quoi. Elle dit genre « Ouais, tu sais d'où ça vient ?» Elle dit un truc et elle dit « C'est mytho ». Mais fais pas ça, en fait. Après, t'imagines, là, il y a des gens, ils vont écouter ce chat, ils vont arriver en cours de français, la prof de français va te dire nana, bref, et tu sais, le lève va faire « Hey, madame, vous savez d'où ça vient, bref ?» Et bah, c'est une condensation de machin. La prof, elle va le regarder, elle va le juger très fortement, et elle va faire « Non ?» Et l'enfant sera humilié à cause de ta connerie. Oh non, bah non. Heureusement, elle a dit que c'était faux, la phrase d'après, donc... Mais imagine, des gens, ils sont arrivés juste à la mauvaise phrase. Trêve de pavardage, laissons maintenant place au quiz. PS1, mes réseaux sociaux sont dans la lettre de fin. PS2, oui, c'est plus concours d'écriture, mais atelier d'écriture, j'avais la flemme de réécrire, alors je mets ça à la dernière minute. Bien vu. Pour moi, c'était vraiment ça. Mais c'était crédible en plus! Petit cuisinet sur Mamamoo! Qui est votre bias? Moi, c'est Waza. J'ai pas de bias dans Mamamoo. J'ai pas de bias tout court dans aucun groupe, en fait, je t'avoue, mais... Au moins, elle a dit vite que c'était faux, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous connaissez Mamamoo, déjà? En vrai, je vais devenir balèze en groupe de K-pop, hein. Clairement, j'apprends des trucs, hein. Entre le nombre de dents qu'a une vache et les groupes de K-pop... Ça va le faire, ça va le faire. Il y a... Alors, il y a 5 questions et 4 questions bonus. Donc, il y a 9 questions, quoi.
On va voir. Comme je l'ai dit dans la première lettre, les questions de ce quiz porteront sur le groupe de K-pop intitulé Mamamoo. J'ai souligné les bonnes réponses pour que ce soit plus rapide et pratique. C'est génial, c'est une très bonne idée, j'adore. Question numéro 1. De combien de membres est formé Mamamoo? 5, 4 ou 7? Et vous pouvez refaire des quiz sur des groupes qu'on a déjà eus, hein. Stray Kids, on peut les revoir, hein. C'est pas... En force, on va vraiment devenir un collab, c'est tout, hein. Ah oui, ça va, vous connaissez quand même. Oui, il y en a 4, c'est ça, bonne réponse. Quels sont les prénoms des membres du groupe? Attention, je ressors mon accent coréen dans 3, 2, 1. Hwasa, Moonbyul, Win et Solar. Wattel, Princesse, Amélina et Protonique. Ou Paul-Henri, Étienne, Chan et Azerl. Ça va, c'est pas trop dur ces questions. Ah, j'adore. Ah bah oui, Wattel, tu savais pas que t'étais dans un groupe de K-pop? Eh bah alors, Paul-Henri nous a tous marqués, hein. Paul-Henri, à jamais dans nos cœurs, hein. En quelle année ont-elles débuté? 18 juin 2014, 8 août 2014 ou 8 mai 2014? Ah là, c'est plus compliqué, là. PH, ah, il nous a marqué celui-là. En 2014, dis-nous, ça c'est vrai, ça c'est... Ah là, il y a toutes les réponses, hein. C'est la réponse A, 18 juin 2014. Question 4. Quel est le dernier album qu'elles ont sorti? Communication, Stay Stay ou Travel? Travel. Wattel, bah ouais, il y a des meufs jeunes qui chantent, hein. Alors, je pense que communication, c'était plus une ref à nous, en fait. Voilà, en fait, c'est Travel, le dernier album. Qui est la leaduse, je sais pas si ça se dit, de Mamamoo? Hwasa, Solar ou Thiboudouboudou? C'est ça, Alice, c'est ça. Bah, bien sûr, Didou. Tous les dimanches soirs. C'est ça, c'est Solar, pas très mal, n'importe quoi. Et les questions bonus. De quelle chanson de BTS Solar est-elle fan? Blood, Sweat and Tears, Save Me ou Not Today? Je la connais, Not Today. Non, je sais plus l'heure. J'allais essayer de la faire, mais... Si là, on sent que tu copies tes camarades du dessus, tu le sais. C'est la A, Blood, Sweat and Tears. Pour quelle position Moonbyul avait-elle auditionné à la base? Chanteuse, rappeuse ou danseuse principale? J'ai eu un peu peur du début de la question, je vous cache pas. Je pense pas que les stars de K-pop elles parlent de position de cul, hein. Ça me donnerait. Eh bien, elle a postulé à la base pour chanteuse. Question 3 du bonus. Pourquoi dit-on que Hwasa est une icône dans la K-pop? Aucun scandale ne l'a jamais touchée, elle n'a aucun écart de conduite. Elle fait partie des choup-choups. Elle ne correspond pas aux critères de beauté standard des autres stars de la K-pop en général. Comment t'as fait, Bemaxu? C'est fou, ça. Qui se fait mal à l'oreille en tombant dans les escaliers? T'es pas foutu normalement, hein? Bien sûr, Alice, bien sûr. Elle ne correspond pas aux critères de beauté standard des autres stars de K-pop. Et dernière question. Depuis combien de temps Win connaît-elle Hwasa? Depuis le lycée, depuis le collège ou depuis qu'elles sont trainees? Ah bah dis donc, j'aurais du public famous, hein. Depuis le collège. Alors, quel est votre score?
Et voilà, c'est tout pour ce quiz. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment, même si c'était plutôt court. Au moins, voyez le bon côté des choses, la voix de Thibaut est préservée. Enfin bref, je vous laisse 2 secondes et on se retrouve dans la lettre de fin. C'est très bien. En vrai, cette taille-là, c'est parfait pour les quiz. Hein. 10-15 questions, c'est bien. Je pense que plus après, c'est dur de suivre. Sauf si c'est très bref, tu vois. Mais si t'as des explications en plus derrière. Re-coucou! Mais comment tu peux écrire autant? Ah non, ça va. J'ai cru que c'était tout. On se retrouve une nouvelle fois pour la lettre de fin. Il y a juste un petit problème. Le truc, c'est que cette lettre ne sert à rien. Elle me fait trop rire. Cette meuf me tue de rire. Cette. Attends, lettre de fin, en plus, elle a utilisé un TikTok que j'ai fait. En êtes-vous sûr? Sûr de quoi? De me connaître. J'ai fait un TikTok là-dessus, ça me fume. Il y a juste un petit problème, le truc c'est que cette lettre ne sert à rien. J'ai pas grand chose à dire donc je suis juste en train de te faire perdre ton temps, MDR. Au moins c'est honnête. Pour faire passer le temps, je vais vous faire quelques petites blagues. Oui, parce que je suis humoriste depuis 1984. Première blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Vas-y, non, je lis pas ça, c'est mort, c'est mort. Deuxième blague. Quel est le Pokémon préféré? Non, je lis pas ça non plus. Non, quel est le Pokémon préféré de Tiboudouboudou? Tiboudet, vous êtes mort de rire, pas vrai? Bon, je vous en fais une dernière alors, mais c'est vraiment la dernière. Troisième blague. Quel est le compte pour Bella dans Twilight? Je vous laisse deviner la réponse. Je vous laisse deviner la réponse. Là, c'est... Sache, alors, tu es incroyablement drôle. Moi, tu me fais pisser derrière. Vraiment, j'adore. On dirait une moi. Ou alors quelqu'un... Tu as toutes les clés pour me faire marrer. Ah, voilà, tu me muses beaucoup. Voilà, c'est... Je beaucoup. Vous n'êtes pas prêts, hein? Ah, attention. Quel est le comble pour Bella dans Twilight? D'être moche. Voilà. Voilà. Bon, après vous avoir gâté de mes blagues hilarantes, il est temps pour moi de vous quitter. Mais pas de panique, si vous souhaitez assister à un de mes shows, vous pouvez vous rendre à Choup Choup City, MDR. Je pense que tu serais très amie avec Armine, vraiment. Je vous donne mes réseaux sociaux si vous voulez. Anaïs FIFA, je poste pas dessus, c'est juste si vous voulez parler. Et La Dival, mon compte de danse. Je vous montre tout ça. Voilà. Focus, je sais, gueulez pas, j'arrive. J'arrive, attends, focus. Oh, elle veut pas la lettre, hein. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Prenez ses réseaux, parlez-lui, devenez amis. Échanger de manière hilarante. Donc attends, même les lettres sont drôles, hein, les enveloppes sont drôles. Non mais elle est drôle, hein. Chacun son étoile, tu vois. Bah elle est marrante. Peut-être que t'es moche, hein, mais en tout cas t'es drôle. Ça, on peut pas te l'enlever. Hein. Alors, nous avons deux, il nous en reste que deux. Et deux, ils ont l'air un peu gros. On va finir par celui-là parce qu'elle a marqué qu'elle stresse, du coup elle va stresser jusqu'au bout. Je suis sûre que j'arrive à la fin. Ah oui, mais il reste deux courriers. Il reste deux courriers. Est-ce que je l'ai ouvert celui-là? Oh! Oui! Oui. C'est la fan de magazine d'histoire. Mais je sais pas, Dival, je connais pas ta tête. Ah, pas folle, mais pas ma Magic Fay. Non, c'est pas long, Tammy. Il y a une lettre et un magazine, c'est tout. T'inquiète. Coucou Tibouboudou. Revoilà ton historienne en herbe, alias Jade. Et j'espère que toi, les choup-choup allaient bien. Lors de mon précédent courriel, je t'avoue avoir stressé lors de l'envoi. Mais lorsque j'ai vu que le format t'a plu, que ce soit le quiz ou le magazine, ainsi que la longueur de mon courrier, j'ai direct attaqué le second. Je vous ai dit. Maintenant, les gens, en fait, au début, ils sont en panique. Je sais pas pourquoi. Vous imaginez, je sais pas, je vais vous bouffer ou quoi. Alors, c'est vrai que j'ai un humour douteux et que je peux vous envoyer des petits tacles dans la gueule. Après, je me permets pas de le faire si je vous connais pas un peu ou si je suis pas en confiance avec votre humour. Typiquement, le courrier d'avant. Ça met en confiance. Je veux dire, à partir du moment où tu fais des blagues aussi nulles, t'as forcément l'humour pour comprendre mes vannes, tu vois. Mais je veux dire, et à part Armin que je tacle gratos de temps en temps parce que de temps en temps, il est un peu chiant. Mais, mais je veux dire, de base, je mange personne. Et vous voyez que ça se passe très bien à chaque fois. Ça se passe très bien. J'ai constaté avoir été très brève lors de ma présentation la dernière fois. Donc je me suis dit que t'envoyer une photo de moi te permettrait de me visualiser. Tu peux la montrer, ne t'inquiète pas. Je te rajoute aussi une photo bonus qui devrait te faire couiner. Lorsque tu as dit que tu aimais les magazines d'histoire, j'avoue avoir souri niaisement en sachant que j'avais misé dans le mille. Donc en revoilà un. Je t'ai mis un papier non spoil sur le magazine pour garder la surprise sur son thème, ainsi qu'un petit papier de pourquoi je te l'ai envoyé. Oui, je m'upgrade au fur et à mesure des courriels pour rendre la lecture encore plus plaisante.
Seul bémol, par souci d'imprimante, je t'ai pas remis le fond nuage de la dernière fois. On va s'en remettre, t'inquiète pas. Hein. Clairement. J'adore. En vrai, ça, c'est un truc que je trouve trop ouf. C'est comme la Miss qui fait des courriers. Je sais pas si vous voyez, elle fait souvent des petites cartes postales. Elle écrit tout petit. Elle fait un tout petit quiz avec le résumé d'un truc qu'elle aime bien et une petite lettre toute mignonne. Et ça tient, genre, sur l'équivalent d'une carte. Et elle, c'est pareil. Ça fait deux, trois fois. Et à chaque fois, tu sais, enfin. C'est une espèce de petite routine qui est super cool. Et c'est agréable aussi, enfin, mine de rien, c'est agréable que ce soit pas trop long, tu vois. Là, c'est très agréable. J'aime bien ces espèces de petits rendez-vous avec certains, tu vois. Et bien sûr, le fameux quiz. J'ai essayé de faciliter les questions. J'ai remarqué que j'ai été un peu dure la dernière fois. Je pourrais encore pas être présente, mais de toute manière, j'aime tes rediffs de 4 heures. J'ai l'impression de regarder un film. Je t'ai pas dit, mais je suis également avec plaisir Phoenix Wright. Je pense que tu pourrais être douée dans le théâtre, tellement tu sais faire des voix. Je t'avoue être impressionnée. Bref, assez blablaté. Je te laisse découvrir la suite du courrier et espère que ça te plaira tout autant que la dernière fois. On se retrouve dans la lettre de fin. J'ai oublié de te dire la dernière fois, mais les réponses se trouvent bien dans la lettre de fin. Regardez sa petite boubouille! Je la montre parce que ça se voit qu'elle est majeure. Mais Armin, il est peut-être parti dans faire sa vie aussi, hein. Et regardez les chachous! Mais Jojo, je t'ai déjà dit que c'était trop long tes trucs, hein. Je t'ai déjà dit, hein. C'est pas faute de vous le dire quand c'est trop long. Je vous le dis, hein. Ah, je communique, hein. Je t'ai promis une explication, mais je pense que girl power suffit. Je sais que tu es sensible à tout ce qui est en rapport aux femmes, donc je te laisse découvrir. Je ne sais pas si tu as le temps, mais j'espère que tu as apprécié l'affaire des poisons. Je n'ai pas encore lu le magazine des poisons. Il est dans ma pile à lire. Mais à lire rapidement. J'essaie de faire plus court, j'essaie vraiment. Mais en plus, comment tu peux avoir autant à écrire alors que, genre, tu envoies une lettre toutes les semaines, meuf? Ça que je comprends pas, en fait. Genre que quelqu'un envoie une lettre pour raconter sa vie en total. Bon, c'est long, mais je peux comprendre. Mais t'écris toutes les semaines 12 pages. Il y a un moment, tu vois? Donc attends, je prépare les réponses. Ça va être pour l'histoire, un quiz d'histoire. Elle a dit qu'elle l'avait fait plus facile. Mais Jojo, bah ouais, mais délègue un peu le truc, tu vois? Et délègue plutôt. Écris un livre grave. Alors... Il y a combien de questions? Il y a 5 questions. Très rapide. Moi, j'arrive pas à faire rapide, j'ai trop de jeux en tête. Mais justement, faisons un à chaque fois. Alors, question numéro 1. Oh, c'est pas mal, il faut que je vous montre. Comment est archéologie et art grec? Comment est appelé ce motif de décoration? Une corne, un griffon ou un phénix? Je vous fais un focus, pas de panique. De l'histoire, ouais. Je crois qu'elle fait de l'histoire de l'art, si je dis pas de conneries. Je me rappelle pas de sa lettre précédente, mais il me semble que c'est ça. Le motif que vous voyez est un griffon. On le retrouvait souvent dans l'art grec. Les artisans grecs s'inspiraient de modèles orientaux. Ce motif est retrouvé sur une cuve à trépied clouée en bronze, utilisée lors de grands banquets. On appelle cela des protomées. Ah bah du coup, attends, je peux vous montrer... Alors attends, faut que je plie pour pas que ça vous spoile les autres réponses. Mais il y a un croquis là et c'est vraiment pas mal pour visualiser. Donc ça, c'est des protomées. Pas mal, hein? J'adore. Elle est trop intéressante. Cette meuf est trop intéressante. Alors, un autre truc, je voulais revenir. Excuse-moi, je coupe ton quiz. Il y a souvent dans les lettres des gens qui précisent qu'ils me suivent depuis longtemps, etc. Vous pouvez très bien me suivre depuis 3 jours et vous leur envoyer une lettre, hein. Personne va mal vous juger pour ça, au contraire. Hein. Il n'y a pas besoin de faire partie de cette communauté depuis 10 ans pour envoyer quelque chose. Hein. Je précise, au cas où. Parce que j'ai déjà eu dans une lettre une remarque, quelqu'un qui disait que ça faisait genre 3 mois qu'il me suivait, qu'il avait hésité à le faire. Donc. Histoire du cinéma. Aux États-Unis, Chaplin était populaire. Mais alors, quel acteur en France avait la cote? Réponse A, Jean Camé. Réponse B, Robert Lamoureux. Réponse C, Max Linder. Putain, je connais aucun des trois. Ma culture cinématographique en PLS. Compote de pomme, c'est pas la même époque que Chaplin, Louis de Funès, quand même, c'est... Ouais, il y en a pas mal qui connaissent, c'est bien Max Linder. Max Linder était son plus grand concurrent en France. Il incarna le comique français au début des années 1910 et introduira le dandy à la française, le gentleman si vous préférez. Mais son succès passera vite à la trappe à cause de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement envoya tous les hommes au front et on avait d'autres préoccupations que le cinéma. Il connaîtra une fin tragique en assassinant sa femme par jalousie. Ah! Bah...
Ah, oui, pas très sympathique. Numéro 3, archéologie. Qu'est-ce que le carbone 14? Réponse A, une méthode de datation en archéologie. B, une méthode permettant d'analyser le soleil. C, une méthode permettant d'analyser la pluie. Oh, Cléana, sois positive. Bravo, Ethel. Le carbone 14 est une méthode de datation en archéologie. Donc la réponse A. Je vais vous faire une simple et rapide explication. Lorsque vous avez un volcan qui rentre en éruption, les roches sortantes peuvent être analysées pour déterminer l'âge du volcan ainsi que la date de son éruption. Je vous évite les détails scientifiques. Au pire des cas, demandez à Wattel. Question numéro 4. Français. J'ai dû lire Les Métamorphoses d'Ovide, quel chef-d'œuvre. Qui est la déesse de la chasse? Io, Artémis ou Junon? Facile celle-là. C'est pour éviter la piquette, elle. Artémis, bien sûr. Je le redis, mais ma prof d'expression française a voulu nous faire lire les métamorphoses. J'ai adoré malgré la longueur et la misogynie présente à quelques endroits. Beaucoup d'endroits, en fait. Mais ça reste un chef-d'œuvre pour tous ceux qui celles aimant la mythologie. Bref, Artémis est la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté. Elle est la fille de, elle est la fille de Zeus et de Leto et a comme frère Apollon. Et dernière question. Qui a peint cette œuvre et quand? Désolée, mais j'ai déjà été gentille plus haut. Celle-ci est connue quand même. C'est trop intéressant un quiz sur les tableaux en vrai. Est-ce que vous savez? Au moins qui? C'est ça, bien joué! Flaky qui carrément nous a donné le nom. Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, peint en 1863. Une autre de mes peintures préférées. Je l'aime beaucoup car l'artiste a été novateur. Le nu se peignait que pour les scènes mythologiques. Or ici, nous nous trouvons à un pique-nique. Elle a donc fait beaucoup de bruit négatif à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, elle est adulée par beaucoup de monde. J'espère que le courrier t'a plu. J'ai essayé de te mettre dans quelle matière j'ai étudié telle ou telle information afin de vous faire connaître ma filière et donner envie à certains d'y aller. On se dit à très vite pour apprendre à toi et aux choupchous de nouvelles choses. Cœur sur vous, Insta, Jadou R, avec les tirets sur le bas. Je vous montre son Insta, si vous voulez aller lui parler. C'est trop trop bien. J'adore tes courriers. Ces courriers sont passionnants à chaque fois, je suis trop trop fan. Après, j'adore apprendre des trucs aussi, c'est pas ma faute. Mais en même temps, après, il y a plein de domaines où t'apprends des trucs, hein, mais l'histoire, je trouve ça tellement passionnant. Et là, en plus, ça touche à plein de domaines de l'histoire, donc c'est trop bien. Du coup, Girl Power. Alors là, il y a marqué à dater l'apparition du patriarcat, pour essayer de deviner ce que c'est comme magazine. Attends, je vous fais un focus, ça peut aider. C'est cool de découvrir les univers des choupes. Ouais, grave. Oh, vous avez des bons scores, hein? 3 sur 5, 4 sur 5. Bon, elle a donné un ou deux points. Mais merci Princesse Lisa pour ton follow. Merci beaucoup. Voyons voir. Du coup, Girl Power suffit. Oh, depuis quand veut-on contrôler le corps des femmes? J'adore. Oh, je kiffe. Est-ce que ce soir, je me ferai pas une petite soirée lecture dans mon canapé ou dans mon lit, à lire les magazines que j'ai reçus et les mangas? Est-ce que je mériterais pas un peu? Ah, il me tend. Oh, j'ai tellement envie de le lire. Mais c'est pour ça. En vrai, les magazines d'histoire, c'est super intéressant. C'est vraiment, vraiment passionnant. T'as plein d'articles différents qui relatent les trucs et tout, enfin. Oh, c'est fou. En vrai, c'est en fait le truc, c'est qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de trucs que t'as. En fait, mon perso, je prends des notes quand je lis les magazines d'histoire. Je me sens obligée parce que c'est trop passionnant et j'oublie. Donc, trop trop cool. Encore mille merci vraiment. C'est trop passionnant. J'ai hâte de lire ça. Et il ne nous reste plus qu'un courrier, les enfants. Eh, franchement, c'était nickel au niveau des nombres. Tu le mérites totalement. Alors techniquement, j'ai un montage à faire, hein, puisque j'ai pas fait d'update lecture. Enfin, j'ai pas encore monté Hildegarde pour demain. Mais au pire des cas, je peux tranquille le monter demain matin.
Non, canapé, canapé, Alicia. Et là, alors là, dernier courrier, petit courrier, vole gaiement vers ta destination. Et là, il y a marqué le stress. C'est-il pas mignon? Ça me donne envie de t'écrire. Mais écris, Flaky 13, avec plaisir. Je vous dis, en fait, vous pouvez tous m'écrire. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais courrier. Il n'y a pas de courrier moins pertinent qu'un autre. Il n'y a pas de thème moins intéressant qu'un autre. Partagez ce que vous aimez. Je sais pas comment font les gens pour lire dans un bain. Ah, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais je m'organise. Genre, je prévois une serviette pour m'essuyer les mains, tu sais, pour pas mouiller les pages et tout. Oh, mais regarde. Bonjour. Me in my mind. Realme. Oh, mais regarde comme elle a peur. Ah, c'est Scylla ? Normalement, t'auras le mien cette semaine. Ah bah, je sais pas, Gigi. Je ne sais pas. La prochaine fois, je ferai un courrier plein de blagues. Mais vas-y, Divali, en vrai. Hein. Je vais me foutre de toi, mais vas-y. Fais-toi plaise. Vous pouvez très bien... Vous avez le droit de m'envoyer une lettre avec un post-it et une blague. Vous avez le droit de faire ça. Hein. Vous avez le droit de m'envoyer une carte postale. Vous avez le droit de m'envoyer juste une lettre avec un résumé d'un truc. Privilégiez les formats courts, quand même. Je vous le dis, hein, pour... c'est quand même... On le voit en stream. Oh! C'est trop mignon. Après, là, tu vois, par exemple, c'est pas ce qu'on appelle... Enfin, c'est pas court, mais c'est clair et on sait où on va, tu vois. Essayez de faire un thème par courrier. Je pense que c'est le plus pertinent. C'est trop mignon. Voilà, je pense qu'en vrai, en restant dans cette idée-là... C'est... Après, ça dépend. Parce que quand tu vois, genre, la miss qui fait la petite carte, elle fait un quiz, une petite lettre et un résumé, un résumé d'un livre qu'elle aime bien... Elle arrive à faire les trois en genre trois mini-pages. Donc ça dépend à quel point vous aimez causer, en fait. C'est trop beau. J'ai toujours voulu te l'offrir, même si c'est pas foufou, mais je l'adore. Mais il est trop beau. Alors déjà, ça va être coup de balai, mais je sais pas encore qui c'est. Donc c'est pas foufou. Cher Thiboudouboudou, transmets mes amitiés aux écureuils. Oui, encore une référence pour débuter ce petit courrier. C'est quoi? C'est Alice. Mais c'est quoi cette référence? C'est pas Life is Strange? Les écureuils. Donc Alice, coup de balai. Allez la frapper. Oui, c'est Alice. Il faut toujours... Ah oui, non, c'est Damon. Ah oui, à chaque fois, j'oublie cette référence. Il faut toujours une référence. C'est bien, les références. Donc débutons. Coucou, ici Alice. Comment va? Comment allons? Comment va-l-on? Ah, on me dit dans l'oreiller que ça n'existe pas. Mazel Tov. Alors, Mazel Tov, ça veut dire félicitations. Je suppose que tu voulais dire désolé. Il faut revoir ton russe. Je tiens à dire qu'on a fait 4 lignes. Il n'y a déjà rien qui va. Compliqué, hein? C'est compliqué. Pour ma part, je suis très heureuse. Ah, bah ça me fait plaisir, Alice. J'avais vraiment envie de faire une seconde édition et que dis-je, des éditions pour ce magnifique concept des choupes courriers. En effet, je le trouve tout simplement fabuleux. Un bel échange entre toi et les choupes, les choupes et les choupes et les choupes et toi. Oui, c'était nécessaire de préciser. D'ailleurs, l'échange, le derrière de Merlin et les choupes manquaient à l'appel. Alice, il faut arrêter de fumer. Fume pas avant d'écrire, franchement. Laisse ton joint de côté et fais ta vie, tu sais. Fume-le après. Mais écris ta lettre avant, parce que là, ça... Oula! Ça va loin, hein, Alice, hein, c'est... Bien. Attends, c'est dur de suivre hein, quand même. Non mais y a rien à comprendre Tammy. Elle est juste fonce, y a rien à comprendre. C'est rien du tout. Devrais-je en profiter pour parler plus de moi? Je me souviens encore de la frustration de ma dernière lettre. Oh souffrance, terrible souffrance. Vérifie la place restante sur cette page. Écu de fax. Bon, l'heure est grave. La place diminue au fil des mots. Logique me direz-vous. Zut, j'en perds encore. Et pourtant j'ai tant de choses à dire. Bien, commençons par ceci. J'ai vieilli depuis la dernière fois. Je n'ai donc plus 21 mais 22 ans. Rendez-moi mes 21 ans! Oui, je sais, l'année prochaine, je dirai la même chose à l'exception que le chiffre sera 22, mais chut, faisons comme si de rien. Mais meuf, mais tu parles pour rien dire, ça me fume! Mais tu. Jojo, t'as le même problème! C'est. Arrêtez d'écrire, c'est drôle, hein! Mais arrêtez d'écrire pour rien dire! C'est chaud! Genre là, attends, en tout ça, on a rien! On a rien comme info, on a que dalle! On a dit, là, elle aurait mis « Salut, c'est Alice », c'était la même. Si, non. « Salut, c'est Alice, j'ai fêté mon anniversaire, maintenant j'ai 22 ans, youpi. » Deux phrases. Deux phrases et ça te condense trois paragraphes. Arrêtez de diluer. On fait pas de l'homéopathie. Pardon, c'est une référence.
En tout cas, cette année, prendre un an a été différent. Musique de suspense. Tintintin. Ce passage vers une vieillesse inéluctable a été vécu sur le serveur Discord. Et j'ai reçu tellement d'amour, de gentillesse. C'était incroyable. Un moment inoubliable. Pour cela, je remercie évidemment toutes les personnes merveilleuses que j'y ai rencontrées, mais aussi toi, très chère lectrice, qui perds sa voix à me lire. Un peu. J'ai hésité à mettre ton prénom pour donner un côté solennel, puis je me suis dit non. Quoi ? Oui, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et alors ? C'est sympa dans ma tête, non ? On répond ou pas ? C'est très sympa. Très sympa, très 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 sympa. Bref, oui Thibaut, tu es celle qui a créé avec ses petites mains ce serveur merveilleux où nous découvrons les uns les autres. Psst, rejoignez-nous, c'est vraiment trop bien. Et c'est une ancienne, pas si ancienne team silencieuse qui le dit, Naméo, s'il vous plaît quoi. T'as la raison, venez sur serveur Discord. Ça tu peux le noter, ça c'est bien. Avec ta personnalité lumineuse, aidée de tes super modos, tu as ouvert des chemins, retrouvé des ombres égarées. Un peu, hein. Invitez tous ceux sur ta route à rejoindre cette grande ronde. Je ne sais pas comment l'exprimer avec justesse, mais il est dit que la création est un beau présent, et chaque jour, c'est ce que tu t'attelles à faire. Construire, bâtir. Il est peu de mots en ce bas monde pour le dire avec toute l'amitié ressentie, mais merci à toi. Putain, on dirait remercier un député, quoi. De rien. J'écrirai à Hugo, j'écrirai pareil, hein. Ce mot peut sembler simple, non. Alors simple, c'est pas l'adjectif que je... Mais j'aime à croire qu'un merci dit avec amour ne perdra jamais de son sens et de sa force. Alors voici le mien. Merci. Meuf, mais je t'ai pas sauvé ta vie. Ah mais Tammy, je suis bâtisseuse de cœur, tu vois, je... Il faut aller dans Help Discord, Coraline, t'inquiète. Continuons dans ce courrier, cher tout le monde. Vous trouverez une suite édulcorée de... Attendez, je vous laisse deviner. Vous avez trouvé ? Non ? Oui ? Eh bien, de mes crushs manga, ha ha ha. Un tonnerre d'applaudissements pour ce scénario absolument pas prévisible. Mais je vous tease d'avance, c'est le dernier du genre. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là, hein. Dites oui, même si c'est un mensonge grotesque. Sur ces bonnes paroles, elles sont certifiées Alice depuis 99, c'est de la bonne parole de la vieille label de nos régions. De la vielle, pardon, label de nos régions. Je vous laisse à ce courrier. Surtout, aimez-vous au centuple, car vous le méritez bien plus que vous ne l'imaginez. Et on n'oublie pas, Pokémon, attrapez-les tous. Ah non, Puka Puka. C'est une très belle lettre, Alice. Tu pars légèrement en couille, mais c'est une très belle lettre. Je vais allumer la lumière 2 secondes. Même si c'est le dernier courrier, on va pas... Attends, faut quand même qu'on admire les œuvres. Il n'y a pas de raison, hein. Finissons en beauté et en lumière. Attends, Alice, c'est pas elle qui m'avait fait un dessin de moi avec des dents cheloues ? Parce que là, là, je suis grave mieux, hein. On en a pour 3 jours avec ses crushs. Mais non, regarde, elle a bien organisé... Oui, elle a fumé, mais elle est... Non, non, mais c'est ça. C'est un beau discours. C'est très beau, Alice, vraiment. Je me fous de toi un peu, mais je comprends l'intention derrière et sache que ça me touche, sérieusement. Question... Donc, question, non. J'ai trop habitué des quiz. Je suis déformée. Indice, le basket, c'est la vie. Le seul qui peut me battre, c'est moi-même. Est-ce que ça vous dit un truc ? Ah, c'était... Non, mais Orlan aussi. Mais il y en a eu un, il n'y a pas très longtemps, qui était super beau à part les dents. T'inquiète, on est bientôt à la fin, Imé. Accroche-toi. Enfin, que ta batterie s'accroche. Je pense à Fruit Basket aussi, j'avoue. Mais la phrase me dit rien. Le seul qui peut me battre, c'est moi-même. Ah, vous êtes plusieurs à avoir des idées. Attends, c'est une blague ? Moi, je pensais qu'il y avait juste un dessin. Alors, je t'aime, Alice, hein, mais jamais je le lis, hein. C'est Aomine Daiki. Ouais, je vous montre les dessins. Très beau dessin. Mais alors, par contre... attends. Nous y voilà, le premier. Aomine, vomi de lettres. D'accord, je vais vous montrer son racontage de vie. Hein. Il y a une petite question. Savez-vous en quelle année a été inventé le basketball ? En 1789, les sans-culottes avaient besoin de s'occuper entre 2 boulets de canon. En 1891, le professeur d'éducation physique James Naismith cherchait à mettre en place un sport en salle pour aider ses étudiants en forme pendant l'hiver. En 1914, le médecin militaire John Watson cherchait un moyen de rééduquer les blessés de guerre de manière efficace et collaborative pour souder leurs liens. Et je vous montrerai son petit paragraphe chouchou après, hein.
C'est la B, c'est pas John Watson, c'est James Naismith. C'est le plus logique, hein. Voilà. Je vous montre le petit paragraphe, si vous voulez lire du Alice, faites-vous plaisir. Je sais pas, Tammy. Je découvre en même temps. Thibaut nous a écrit une thèse. Bah, j'ai l'impression, hein. Attends, j'ai un chat qui gratte à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Maman a bientôt fini. Ben oui. Ben, viens si tu veux. Numéro 2, objection. Attends, je suis sûre qu'il va vouloir se poser. Non. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est en train de lire le courrier d'Alice. Ah, c'est un sacré truc, hein. Hop là. Oui, c'est Phoenix. C'était pas très difficile. Il va... Oh, il a... Putain, bien vu. Il va reprendre l'élastique. Hé, hey, à Cléana, c'était génial. J'avais pas capté. T'es un enfoiré, hein. T'es un putain d'enfoiré. Namour, ton chat, il a voulu piquer l'élastique encore. Eh oui. Et tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Hop. Bien vu. C'est ça, tout pidou. Mon plan a échoué. Malédiction. Il le cherche, hein. Là, il est pas content, là. Là, il est cul, hein. Alors, Phoenix Wright, bien évidemment. Ah, c'est celui-là. Ah bah, bien sûr, c'est celui-là. Les trois auraient pu le faire. Oh, les autres, lui, il les bouffe, les élastiques. Savez-vous pourquoi les avocats portent une robe? Parce que c'est stylé les robes. Phoenix ne porte pas de robe, c'est un piège. D'origine religieuse, la robe de l'avocat est pour commencer un symbole de dignité et de puissance. Aujourd'hui, elle se porte pour symboliser la justice et la neutralité. Laquelle? Vous avez des coups de queue du chat. Le dessin est super stylé, hein. Ça me fait rire. Alors, Merlin se frotte contre le micro. Donc, si vous avez des bruits bizarres, c'est Merlin. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Ah. Non, pas sur le dessin. Attends. Vas-y. Couche-toi. Ne soussaille. Voilà. Cette grâce, Seigneur Dieu. Hop. On n'est pas aidé, hein. Ah, on n'est pas aidé, hein. Du coup, quelle réponse? C'est la C. D'origine religieuse, la robe de l'avocat est pour commencer un symbole de dignité et de puissance. Attends, elle a cité un truc. Les avocats portent la robe pour savoir mentir comme les femmes. Réponse Sacha Guitry. Un connard, Sacha Guitry. Je t'emmerde, Sacha Guitry. Ornement religieux de toujours, la robe a pour but d'être un apparat professionnel. Cette même robe est ornée de 33 boutons qui représentent l'âge du Christ à sa mort. Putain. Intéressant. J'avoue, vous voyez son cul. Numéro 3. Indice. Le titre de l'œuvre se traduit « Jour d'arc-en-ciel ». À trouver en anglais. Ce qui trouve en japonais, je vous salue. Et la citation « Imposer ta volonté aux autres, ce n'est pas une manière d'être cool ». Salut Elmawir. C'est un manga, hein. Manga animé. Oh, merci Amande. Je sais pas quoi dire, donc je vous dis que je vous aime. Oh, t'es trop chou. Merci pour ton sub, ma belle. C'est pas Rainbow Day, non. Ah, si. Pardon, j'avais le nom en japonais. C'est Rainbow Days. Et en japonais, c'est Nijiro Day, du coup. Forcément. Comment se nomme la fête qui permet aux jeunes hommes ayant reçu des cadeaux à la Saint-Valentin de le rendre aux élus de leur cœur? Le White Day, le Rainbow Day ou Sunday, Bloody Sunday. À l'aide. Ah, je vous ai pas montré d'ailleurs sa phrase d'avant. Je vous ai pas montré... Bon, alors là, le focus, je vais faire quelque chose que j'ai qu'une main. C'était son paragraphe d'avant. C'est mort. Si, je crois que je voulais... Je sais plus si je voulais montrer. Ça doit être flou, hein. Ouais, c'est flou de ouf. Attends. Je peux pas le faire. Je verrai à la fin si je peux vous remontrer. Sinon, bah, vous loupez des conneries qu'elle raconte, quoi, mais... Et c'est le White Day. C'est ça.
Donc le 3. Et du coup, je vous ai pas montré le gars. C'est compliqué, hein. Attends. À l'aide. Donc là, attends, c'est bon, je peux vous montrer. Comme le focus, il est fait. Je reste sur la même lignée. Et je vous montre le 2, je sais plus si je l'ai montré. Le 2, c'était sur Phoenix. Indice, Thibaut ne connaît pas, je crois. Et il y a une citation, otaku, otaku. Ouais, c'est ça, otaku, otaku. Otaku Otaku était la citation, mais aussi, roulement de tambour, le titre de l'œuvre dont je vais vous parler à l'étranger. C'est quoi? C'est quoi? Goûte. Mmh, ça fait un gâteau? Grave bon. Mmh. 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 Bah, c'est bon, rends-moi le... Mmh. Mmh. C'est quoi comme gâteau? Financier. Oh, financier! Cool! Fire, même question. Du coup, otaku, otaku. Et parce que Thibaut prononce très très bien le japonais grâce au cours de Joël, voici le titre original. Wataku Nikoi wa Muzukashi. Et franchement, je crois que je l'ai pas mal dit en plus. Traduit aussi en notre belle langue française, l'amour c'est dur pour un otaku. Est-il vrai ou faux qu'en novembre 2018, un japonais otaku épouse la vocaloïde Hatsune Miku? Il vous a tourné, mais il vous respecte aussi peu. Merlin, mais t'arrêtes! Eh, abuse pas, franchement. Déjà, je te laisse être là. Déconne pas. Il abuse de ouf, hein. C'est vrai ou c'est vrai et c'est faux? Vous avez une belle vue. Ah bah là, c'est... C'est compliqué, hein. Délicatesse du truc. Merlin, dans toute sa splendeur. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben, c'est vrai. Pour 15 000 euros au Japon, un jeune homme a obtenu le droit d'épouser la chanteuse vocaloïde Hatsune Miku. Elle fut représentée pendant la cérémonie par une peluche à son effigie. Évidemment, ce mariage n'a aucune valeur juridique à ce jour. Espérons qu'elle était consentante. Donc, je vous mets le résumé de la vie de Alice. Putain, Merlin, tu aides pas. Oh, c'est chaud ce que je suis en train de vivre là. Hein. Vous vous rendez pas compte, hein? Bon, après, je pourrais tèche mon chat, c'est vrai, mais en même temps, il. Voilà, il a envie d'être avec moi. J'ai pas un cœur d'huître, tu vois. Oui. Elle a écrit beaucoup là en plus, hein. C'est pas elle a écrit un peu. Hein. Non, 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 elle a fait beaucoup de textes là. Hein. Démerdez-vous pour lire, hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Le gars a épousé une image. Oui! C'est ça, la tête de Merlin. Et là, du coup, il y a otaku. Donc, le 4, c'est fait. Indice, manga sur des sorcières. Cela reste juste de la présomption, n'est-ce pas? Personnellement, je ne trouve pas que juger les gens sur des on-dits et des idées préconçues soit digne d'un gentleman. T'as beaucoup de crush quand même, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'était papa qui fait la cuisine, chérie. T'as pas à avoir peur. Hein? Petit cul, va. Enfin, gros cul, plutôt. Ah, mais il fait complètement exprès. Je le sais, hein. Est-ce que vous avez... Manga sincère. C'était pas choqué. Ouais, Little Academia. Little Witch Academia. Il est disponible sur Netflix. Quel est le nom de la dernière sorcière qui fut brûlée sur le bûcher en France? Michel Manuscrit, Marie Potion, Miché Chauderon. Oh, Cindy cuisine énormément, Kim.
La bonne réponse, c'est la C, Michée Chaudron. Est l'une des dernières dites sorcières de France à avoir été exécutée. En effet, sous le règne du roi Louis XIV, l'édit de 1682 voit le jour et met fin aux exécutions, tout du moins sous le nom de sorcellerie. La mort de cette dame annonce la fin de la grande chasse aux sorcières européennes. Et là, je vous mets le petit résumé qu'elle a fait sur le manga. C'est pas cliché comme nom. J'avoue qu'au début, je pensais que c'était une blague, mais non. Salut Evil Joker Cat et le dessin. En vrai, donc, vous voyez, il est super, hein. C'est un mélange d'illustrations, t'apprends quand même des petites choses et tout, c'est super bien dosé. T'es sérieux? Mec, t'es sérieux? Je peux pas être plus avec toi que je le suis là. Vraiment, hein. Numéro 6, indice par l'auteur de Ranma 1/2. Écoute-moi, je ne suis pas pressée de mourir. En fait, ce n'est pas qu'une question de le boire ou non. Il s'agit de choisir sa manière de vivre. N'est-ce pas la clochette? Ouais, c'est du feutre à alcool, je pense. Ils sont très très beaux, je suis d'accord. Yeah, bien joué, Win to Win. Inuyasha. Inuyasha n'est pas exactement un Akuma. Non, car celui-ci est issu de la liaison entre une humaine et un Akuma. Du coup, savez-vous comment on appelle ces créatures? Sakura, Agneau ou Kokoro? Cindy. Mais Alain cherche quoi renverser pour avoir de l'attention. Mais tel... Oh, pourtant, genre, je le caresse en même temps, quoi. Je vous montre le dessin en même temps que vous réfléchissez. Je suis désolée, Alice, je fais de mon mieux, hein. Mais... Il y en a un qui est pas d'accord. C'est la réponse C, c'est un kokoro. Le C signifie cœur au sens de l'âme de tout à chacun. Ah non, pardon, la bonne réponse c'est la B. La A réfère aux fleurs de cerisier, donc je dirais que la bonne réponse c'est la B. Les agneaux sont ce que l'on nommerait des demi-démons. Dans le folklore, ils sont souvent dépeints comme plus faibles que les démons de sang pur, et donc souvent représentés comme faibles et lâches, ou bien en quête de puissance. Encore une fois, remercions Tammy pour la découverte. Tammy nous apprend beaucoup trop de choses. Là, c'est du coup son paragraphe, pourquoi elle aime bien le personnage. Mieux cadré, voilà. Manon, je sais pas, oui, c'est vrai que là, il est bien posé. Hein. Mais il est déjà venu en stream, Merlin. Indice, tes modos ont bien longtemps couiné pour ce jeu, ce qui t'a rendu curieuse. Que nous réserve le futur? J'y pense peu, car je dois continuer à avancer, quel que soit l'obstacle qui se dresse sur mon chemin. Je ne sais même pas moi-même. Comment ça se fait que je ne sache pas moi-même? Ah! C'est facile! Oui, Wattel, bien sûr! Genshin Impact! Pouvez-vous me dire quel a été le tout premier jeu vidéo créé au monde? Celui qui, par son existence, a lancé des multitudes de créations qui nous ont conduites à Genshin. Ping, Pong ou Boom? Et je vais vous montrer le dessin, je sens que ça va queener. Je sens que ça va queener. Ben, l'ultime bonne réponse est la B. Pong est un jeu vidéo d'arcade et le premier jeu vidéo d'arcade de sport. La boucle est bouclée. Débuter par le basket pour finir sur un jeu de sport. Certains diront que tout est lié. Comment ça, personne ne dit ça? Bon, je vais t'arrêter. Ah, parce que là, tu commences à repartir en couille. Voici la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que la voix de Thibaut est toujours des nôtres. Une nouvelle fois, j'ai pris un grand plaisir à faire ce courrier. Et c'est avec tristesse que je mets fin à cette liste de crush. Car oui, ami Choupe, le prochain sujet, tenez-vous bien. En fait, je vais attendre avant de vous le dire. Du coup, un grand merci à tous. Plein de cœur sur vous. Je vous souhaite le meilleur et surtout, si vous voulez encore de moi, d'être prêt pour un courrier sur l'histoire de la Chine. Bisous! PS. Alors, en bas de page, vous trouverez mon Instagram. Ma sœur me menaçait d'un balai et d'un pot de crème fraîche et puis on m'a dit en MP Insta que je risquais d'être engueulée. Donc, voici. Moi, c'est... Enfin, vous voyez. En progression, si on veut. Oula, qu'il est long, ce PS. Bon, bah, cette fois-ci, bisous à tous. Révérence. Prête-moi allumer, cette meuf. Hein. Alors... Je vous montre, je sais que vous êtes impatients, je sais. Donc là, vous avez le petit pavé de fin de truc, de pavé de truc. Là, vous avez l'Instagram, avec Merlin, regardez derrière, juste qui est au taquet. Hop. Et
le dessin de Diluc. Allez, queenez. Allez. Ça queen, ça queen. Ils sont très très beaux tes dessins. Et on a un petit bonus des dessins réalisés suite à des streams ou vidéos. Numéro 1. Oh, attends, ouais, mais je peux pas avoir dans l'autre. Bon, du coup, ça va spoiler. La magie des. C'est clairement moi. La magie des Winx, bien sûr. Je suis une Winx. Une Winx avec un, choix, un chat un peu envahissant. C'est très mignon. Winx. Nanana, nanana, nanana. Numéro 2. Attrapez-les tous. Oh, j'adore. Il est génial, celui-là. L'autre aussi, hein, mais... Là, c'est référence à Pokémon, quoi. Avec notre relou qui nous tient la jambe toutes les deux secondes. C'est trop bien fait. Oh, numéro 3. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Bien entendu. Et son meilleur pote est un cochon. Bitches, I'm so fucking fabulous. Ça manque les streams Pokémon. Attends, déjà, meuf, j'ouvre des boosters. Hey, step by step. Mais on reprendra le jeu, vous inquiétez pas. Alors, votre avis sur tout ça. Alors, déjà, ta lettre était géniale. En vrai, bon, ta lettre en elle-même était un peu longuette. Mais attends, je cadre sur Merlin pour que vous ayez une vue magnifique. Mais le courrier était trop cool. Et c'était un vrai plaisir, Alice, vraiment. Et t'as bien dosé entre tes dessins et la petite question à chaque fois. C'était vraiment pas mal. Et on a fini les courriers de la semaine. Et en 2h30. Attends, j'ai commencé à 15h. Ah non, peut-être quand même quasiment 3h. Hein. Quand même. Quand même. Bon, avec un chat qui embête, et puis une pause pipi, une pause goûter, une pause chercher de l'eau, mais... Ça, en vrai, c'est le timing parfait, je trouve. En vrai, c'est vraiment le timing parfait. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, trop cool, Doro. Voilà, coucouche. Mais Jojo, je suis contente de te revoir. Faut juste que tu fasses plus court. Faut juste que tu fasses plus court. C'est le seul truc. Il y a Gaïa qui m'a fait boire et le dos droit de Flak qui n'avait pas vu. Simple et efficace. Grave. Non, franchement, j'ai passé un super moment. Et un fa... Et ouais, vol d'élastique de la part de Merlin, j'avoue. Je vais vous envoyer un raid chez quelqu'un. Nous, on se retrouve du coup demain. Alors, le raid, pour ceux qui savent pas... Déjà, vous pouvez rester pour le raid, vous gagnez des poucas. Donc, c'est pas dégueulasse. Et en raid, en fait, ça permet simplement d'envoyer des bonnes ondes à des gens et... De faire plaisir, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Non, pas sur le clavier! Oula, 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 oula. Alors, tu sais que je t'aime, mais là, t'es chiant. Voilà. Hop. Allez, hop, 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 hop. Allez, ça suffit. Hop, 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 hop. J'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Oui, mais il était mignon avant, donc... Alors, voyons voir. Qui c'est que je vais vous trouver? Si vous voulez me recommander quelqu'un en raid, ah bah voilà. Je vous suggère un petit Akalis qui est sur du Minecraft en ce moment et qui fait vivre des moments très chill. On va voir ça. Je vais regarder... je regarde, moi. Ça veut pas dire que... Si je vois que c'est un psychopathe, je prends pas. Hein. On va... Hein. Soyons doucement. Oh, 10 spectateurs. Modération de la réactivité au niveau des discriminations. Ah, mais il n'y a pas sa tête. J'aimerais bien des gens avec des webcams. Sans en demander beaucoup. Je trouve qu'une cam, ça met quand même plus d'interaction. Donc, attends. Je te rends tes Puka, Kinjan. Est-ce que quelqu'un d'autre conseille quelqu'un? Hop. Voyons, voyons. Je cherche quelqu'un. Faudrait qu'on voit quand même les... Je trouve que quand on voit les bouilles, c'est plus sympa quand même. Oui, mais faudrait... C'est ma pote, on la connaît déjà. Ça veut pas dire qu'on la raidera plus, hein.
Mais j'aime bien aider des inconnus. Tiens, une meuf qui cuisine. Ah non, je sais plus si on l'a déjà raidé. On l'a déjà raidé Chloé Fit Gamer, je me rappelle plus. Ou sinon Madame Fritz. J'ai delete mais sur un jeu moins chill. C'est pas grave ça. Chat qui revient. C'est pas grave si c'est pas un jeu chill. Voyons voir. Ouais, ah oui, non, ouais, il est focus de ouf. Oh, je vais vous envoyer chez une des meufs. Hop, Madame Fritz. On l'a jamais fait, Madame Fritz. Ça me dit rien. Je crois que Chloé, on l'a fait. Ah non, Chloé Fit Gamer, je crois que c'est la Québécoise que j'aime bien. Et je l'ai jamais raidée. Attends, j'écoute 2 secondes. Yeah, c'est ça. Elle est trop cool. Hop. Je sais pas si elle a pas fini. Non, elle vient de commencer. Oh, je l'avais exprès follow pour qu'on puisse la raider. Elle est trop cool comme meuf. Hop. Pour le coup, elle, j'étais tombée sur elle en me baladant sur Twitch. Et même mentalité, vous allez voir, elle est super sympa. La phrase, bon appétit! Parce qu'elle est en train de faire à manger, donc j'ai plein de poils de chat. On se retrouve du coup bah demain, vidéo à 18h sur la chaîne YouTube, et puis stream à 21h, demain c'est stream ciné. Hein. Installez-vous tranquille, passez une très belle soirée mes amours, merci d'avoir été si nombreux, merci à tous ceux qui écrivent d'ailleurs, qui font vivre ce concept, parce que sans vous, bah, il n'y aurait pas d'ouverture de courrier, forcément. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, vous êtes les bestes, et à demain!